Bonjour à toutes et à tous. Juste un petit appel de service avant qu'on commence. Il y a un badge qui a été égaré. Bonjour, ça va? Super, installez-vous, on a une longue matinée qui nous attend, une matinée dense, intense et passionnante, donc je vous propose de vous installer pour que l'on puisse commencer. Alors, je vais parler 3 minutes, il faut que je vous dise bonjour, ça c'est fait, que je vous dise que les questions que vous vous posez sur les indemnités, vous savez pourquoi il y a des différences d'indemnité, etc. On va vous faire une fiche récap qu'on va vous distribuer, qu'on va vous envoyer. Voilà, mais c'est très, très, très. Enfin, ça s'explique très bien. Je dois vous passer un message de la part des chercheurs qui, je le rappelle, font un travail très important et qui sont en attente du questionnaire qu'ils vous ont distribué. Donc, s'il vous plaît, remplissez-le et distribuez-le, rendez-leur. C'est très important pour que l'on puisse. Enfin, pour qu'ils puissent travailler. Sur cette belle convention. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, installez-vous, voilà. Et alors, dernier point, et après je vais laisser la place aux facilitateurs graphiques, les résultats d'hier, donc on va vous distribuer ce petit document avec les idées fortes qui ont été retenues hier, et je ne vais pas les lire parce que ce serait interminable, mais je voulais quand même vous dire que sur les 41 idées fortes, 25 d'entre elles ont eu plus de 66% de vote de votre part, donc 25 reste des idées fortes. Je vérifie les chiffres pour ne pas vous dire de bêtises. 14 d'entre elles sont entre 33 et 66%, donc alimenteront la production. Et 2 d'entre elles ont été sorties, voilà, et ont obtenu moins d'un tiers des votants. Voilà ce que je pouvais vous dire. Évidemment, on reviendra là-dessus en session 7, mais je vous donnerai quelques perspectives après. Bonne matinée et à tout à l'heure. À toutes et à tous. C'est toujours un petit peu bizarre d'être devant tout le monde. On va commencer avec la vision un peu macro de ce qui s'est passé. Vous m'entendez bien? Ok. On est arrivé vendredi matin et on a eu une super introduction. Les points que je retenais, c'était d'abord le retour des citoyens qui ne tarissaient pas d'éloges sur la session précédente, qui ne voulaient plus voter avec des cartons. On a parlé de cette session qui serait une session à la carte et on a eu un mot du président du CESE qui a dit un truc qui était hyper intéressant pour moi et qui était vraiment chouette et fort. C'était la mise en place d'un référentiel ou d'un certificat de compétences pour mettre en valeur le fait que vous aviez beaucoup travaillé, échangé ensemble. Puis nous sommes partis en SAS pour choisir le choix de son thème, la forme du livrable et... Voilà. Enfin, le choix de son thème, l'aide active à mourir ou les thèmes transverses. Vous êtes parti travailler sur, d'un côté, la forme du document. Pourquoi, comment, pour qui. On en reparlera tout de suite après, enfin un petit peu après. Et puis, on a commencé à bosser sur les thématiques transverses. Et je passe le micro à Camille, qui l'a. Merci, Renaud. Donc, effectivement, moi, je vais revenir sur le débrief du COGOUV qui a été fait par Marie, Joé et Jean-Pierre, si je ne me trompe pas. Ils vous ont présenté les grands consensus qui ont émergé, les grands dissensus également, et puis les questions qui restaient encore ouvertes et en suspens à ce stade, et donc auxquelles on a apporté des éléments de réponse au fur et à mesure. Globalement, cette session 6, les objectifs et le déroulé, les mots-clés qui ont été utilisés, ça a été arrêter la matière brute, dans cette idée où vous avez eu du boulot, quoi, ça a été un peu intense.
L'objectif aussi de cette session, ça a été d'affûter, de sculpter les arguments que vous avez commencé à mettre en place dans les sessions précédentes. Et là, maintenant, il a fallu affiner. Vous avez ensuite travaillé sur la modélisation et la forme du document. C'est pas encore une forme finale, mais vous avez commencé à mettre en place des choses un peu concrètes autour de la modélisation, pour ensuite aller doucement mais sûrement vers le vote en cascade. Et maintenant que vous allez vers une certification des acquis que vous avez là, et bien vous êtes en mesure de voter en cascade, et c'est plutôt périlleux. Bravo. La partie SAS, alors c'est pas pareil qu'au début de la convention, de capturer un peu ce qui se passe. Donc qu'est-ce qui s'est dit dans le groupe où j'étais? Il y avait pas mal de fatigue quand même, que je ressens également, qu'il y avait quand même toujours un fort enthousiasme, toujours, les gens étaient toujours contents d'être ici, désireuses d'entendre les autres. Il y avait aussi un point sur les échos de l'extérieur, que c'était pas toujours facile pour vous de vous confronter aux gens qui étaient à l'extérieur sur les questions, les positionnements, tout ça. Qu'il y avait un point pour rendre le manifeste visible. Vous êtes revenu sur la session précédente, une envie de descendre un peu plus dans la granularité, d'aller chercher les détails, beaucoup d'espoir dans cette session, et puis j'ai noté aussi que c'était compliqué pour certains de s'approprier les contenus d'une session à l'autre, parce que ça passe vite et que c'est dense et qu'on a une vie à côté. Et donc pour conclure ce SAS, moi des groupes auxquels la restitution des groupes auxquels j'ai assisté, on était vraiment sur l'idée que là on était en train de finir un cycle, de passer dans le cycle de l'harmonisation, et donc il y avait un sacré virage à négocier, avec une impression que ce week-end allait être chargé. Donc je vous interroge, est-ce que ça a été le cas? J'ai l'impression, hein, voilà, qu'il allait falloir beaucoup produire sur cette phase, et avec le sentiment d'avoir déjà creusé et de devoir aller creuser encore plus profond. Voilà pour la partie SAS. Et donc là, on va rentrer dans le travail sur les thématiques transversales du quoi qu'il en soit et la forme du document. Donc ça, c'est les travaux que vous avez réalisés vendredi. Donc sur les idées fortes, en fait, vous avez travaillé sur le pré-rédactionnel. On a enlevé des mots, on en a ajusté, on a inclus des propositions dans d'autres. Voilà, il y a eu beaucoup de travail de trituration des idées fortes, qu'on n'a pas forcément capturées, mais par contre qu'on a symbolisées ici. Et donc ensuite, vous avez travaillé sur la forme du document. Donc Lucie. Alors moi j'étais dans le groupe qui a travaillé sur la force de l'expression citoyenne. Et les notions clés que j'ai notées, c'était l'idée de... Vous avez envie que ce document il soit accessible et qu'il soit représentatif de qui vous êtes. Vous avez envie d'être très transparent aussi sur toute la méthodologie, tout le déroulé, tout ce que vous avez appris, dans quel ordre est-ce que ça s'est passé. Et pour rentrer un peu plus dans le détail, j'ai senti l'envie de vous présenter aussi, de dire bah, en fait on est des êtres humains, on représente, même si c'est pas vraiment exhaustif, et ça j'ai l'impression que vous aviez aussi envie de l'assumer, un large panel quand même de la société française actuelle, que ce soit de par vos âges, vos situations sociales, vos origines. Et ça vous avez envie de le montrer. Donc il y a une envie de montrer, pardon, la représentation territoriale de l'ensemble du groupe. Comme je le disais, dans l'idée de rendre lisible la méthodologie, il y a aussi l'envie d'expliquer pourquoi vous êtes légitime à faire ce travail-là, pourquoi est-ce que votre parole, après les 9 week-ends, elle va avoir un poids particulier. Cette montée en compétences qui fera la légitimité de vos propos. Et globalement, j'ai senti que, ça c'est ma petite note perso, que vous étiez encore une fois très bienveillant et vraiment dans l'envie de montrer la mixité du groupe. Et ça c'était assez, assez riche. Voilà. Sur le groupe qui a travaillé sur les synthèses communicantes, vous avez identifié les différentes cibles auxquelles vous vous adressez par rapport à ces productions de documents finales. Donc là, en rouge, on voit les grandes cibles différentes qui ont été identifiées. Vous avez également souligné les messages forts ou les objectifs de communication qui sont surlignés en bleu. Donc c'est sensibiliser sans intermédiaire, comme la presse. C'est faire réagir, c'est vulgariser. C'est montrer du soutien aux professionnels de santé qui peuvent se sentir menacés par toutes ces réflexions. Également rappeler que ça fait partie aussi de leur fonction.
que de répondre à ces enjeux. Montrer un état des lieux de vos travaux, de vos diagnostics, recommandations, votre démarche, et également être aide à la prise de décision auprès des parlementaires. Oh, pas grand-chose. Concernant la forme du livrable, je ne joue rien du tout. Ah voilà. Des points importants, c'était resituer le contexte, évoquer la question, puis la convention citoyenne. Il y avait une idée de, on ne le voit pas parce que c'est en noir sur noir, c'était malin, de marquer le point de départ et le cheminement jusqu'au point d'arrivée, avec en expliquant la méthode, l'approche, qui sont les humains qui l'ont fait, donc vous, et qui étaient les intervenants. Il y a une idée que j'avais trouvée intéressante, c'était mettre la conclusion dans l'introduction, c'est-à-dire que dès le début, on sait quel va être le rapport et pas, on n'attend pas la fin, on spoil un peu. En lui donner un sens politique et en faire un manifeste, enfin faire que le manifeste soit assez synthétique pour qui la première ministre, le grand public. Encore une fois, j'ai beaucoup entendu parler d'utiliser le visuel d'une manière ou d'une autre, que ce soit des vidéos, des infographies, de la facilitation, peu importe. Voilà pour le visuel. Hein ? Et puis on arrive à hier. On a parlé hier d'aide active à mourir et des thématiques transverses. Donc pour les thématiques transverses, la bonne nouvelle, c'est que le pré-rédactionnel, ça fonctionne bien. Et ce qui ressort, à mon sens, pour l'aide active à mourir, c'est que le parcours, qu'il soit pour l'euthanasie ou le suicide assisté, on en reparlera aussi tout à l'heure, ont beaucoup de similitudes entre les deux, à quelques points de détail près. Et puis, on a fini la journée avec le vote sur les idées fortes, et il me semblait qu'on en gardait plein, mais manifestement, on n'en garde pas tant que ça. On poursuit avec, du coup, moi je vous ai suivi dans le travail sur les thématiques transverses. C'était très dense, c'était intense, donc le contenu que j'ai capté n'est pas exhaustif parce qu'il y avait beaucoup de propositions que vous avez remodifiées, voilà. Mais j'avais quand même envie de vous proposer mon regard sur chaque thème. Le premier thème, ça a été l'information du grand public. L'idée de rendre accessibles les informations sur ce sujet à travers des campagnes d'information, de sensibilisation, revaloriser, faciliter l'accès à la rédaction des directives anticipées et du choix de la personne de confiance. Et il y avait l'idée de changer de regard sur nos aînés qui me plaisait bien. Et l'idée d'inclure dans le débat sociétal aussi justement cette question sur la fin de vie. Ensuite, j'ai pas fini. Merci. Merci. Ensuite, il y a eu le thème développer les soins palliatifs. Donc là, il y avait des questions sur la définition de la maille territoriale, une envie d'avoir une vision globale des besoins et des moyens, et surtout un souhait de votre part qu'il y ait une présence des soins palliatifs beaucoup plus grande sur le territoire. C'est bon. Merci. Ensuite, le thème de la formation. Alors là, vous avez eu envie de former tout le monde. Les aidants, les accompagnants, les soins palliatifs mobiles, les professionnels. Vous avez quand même mis des limites en disant peut-être que ce serait obligatoire pour les professionnels une formation continue. Peut-être que dans les écoles, ce serait juste à telle échelle. Voilà, vous avez quand même gradué et vous avez envie que tout le monde soit formé. Et ça, c'est super. Ensuite, le thème de l'accompagnement à domicile. Moi, j'ai bien aimé la notion de lit de repli. Personnellement, je veux bien la mettre en place dans ma vie. L'idée de renforcer les moyens et les contrôles. Et l'idée aussi de mettre en place un projet thérapeutique qui rassemble et le patient, et les proches, et les soignants. Voilà, encore une fois, c'est pas exhaustif, mais le reste, je pense que vous l'avez un petit peu en tête aussi. Ensuite, le thème, l'égalité d'accès à l'accompagnement de la fin de vie. Encore une fois, comment est-ce qu'on garantit un accès équitable, équitable par rapport aux milieux sociaux, culturels, par rapport à la proximité, à l'accessibilité territoriale ? Moi, j'ai trouvé la solution. Je pense que... ensuite, l'idée d'avoir une approche pluridisciplinaire dans cet accès-là. Voilà. Et
le thème suivant, c'était l'accompagnement de la fin de vie au sein d'un parcours, l'envie que le parcours soit adapté, personnalisé et permettant une réelle qualité de vie. Ça, vous l'avez fait reformuler parce que c'était important pour vous que ce soit dit avec ces notions-là. Et il y a eu plusieurs mots-clés que j'ai notés qui ont été l'écoute et le dialogue, intégrer ces notions-là comme faisant partie vraiment de l'accompagnement du patient. Et comme peut-être, comment est-ce qu'on forme à l'écoute, comment est-ce qu'on forme au dialogue. Et encore une fois, il y a eu le souhait de valoriser le statut d'aidant. Et là, vous avez aussi bien différencié le statut d'aidant et d'accompagnant. Mais dans les deux cas, vous avez besoin que ce soit valorisé, voire professionnalisé. Ouais. Ensuite, les moyens dédiés, je fais plus vite. Les moyens dédiés à la recherche et au développement, il y avait l'idée de mieux évaluer la souffrance, peut-être favoriser les appels à projets pour avoir une source de financement supplémentaire, proposer des études statistiques sur les conditions de fin de vie, et il y a eu aussi l'idée de bourse universitaire qui est sortie et qui a été votée, donc apparemment c'était plutôt bien. Le thème suivant, c'est la garantie des budgets nécessaires, proposition d'inclure le temps dédié aux patients dans la T2A. Autre proposition, il y a du budget, mais il est mal réparti. Comment on fait ? Ensuite, et dernier thème d'ailleurs, un des plus importants, le respect du choix et de la volonté du patient. D'abord, il y avait la notion de faire valoir la volonté du patient. Ensuite, la notion de garantir la collégialité des discussions dans les décisions. La proposition de créer un parcours d'orientation et ma préf, la carte vitale intelligente. Voilà. Pour le travail sur l'aide active à mourir, je prends le micro, mais je sais pas, voilà, c'est bien moi. Donc là, vous avez travaillé sur les parcours de l'AAM et vous avez trituré un peu dans tous les sens les parcours. On s'est posé plein de questions, mais en fait, la taille des territoires, c'est quoi ? La densité des territoires ou la taille des territoires ? Mais là, on parle de qui ? On ne parle pas que des gens malades. C'est des questions qui reviennent souvent, mais on est encore en train de remuer les mêmes fonds. Et donc, je ne sais pas dans les autres groupes, mais moi, dans mon groupe, il y a eu un sujet au sujet des gommettes. Mais c'était c'était la guerre aux gommettes. Donc, voilà, moi, ça m'a fait noter le petit truc. Donc, vous avez chacun travaillé sur des étapes différenciées du parcours dans un contexte d'euthanasie ou dans un contexte de suicide assisté. Moi, dans ma capture de votre institution, j'ai essayé de mettre tout en comparaison sur un seul et même parcours. C'est dense. Mais si je relève juste les points communs que j'ai trouvés sur ces deux parcours qui étaient intéressants, c'est rendez-vous, réunions, demandes répétées, éclairées, successives qui sont importantes dans les deux cas. La décision collégiale dont on parle depuis le début est pluridisciplinaire, qui est vraiment incontournable. Et aussi la mise en place de commissions ou d'équipes de contrôle, pas seulement a posteriori, mais finalement un peu tout au long du parcours de la prise de décision à l'acte. Voilà, j'en resterai là et je vous laisserai découvrir le détail du contenu de ce parcours. Ça va être assez redondant parce qu'on s'est dit à peu près les mêmes choses. Moi, ce qui m'a paru intéressant, c'était, je vous l'ai mis un peu souligné, là, un peu enfoncé, c'était de voir les similitudes entre le parcours de l'euthanasie, le parcours du suicide assisté, et une réflexion que j'ai trouvée très intéressante sur cette approche pour les mineurs et comment ça se passait. Le système de lecture est le même. On a au-dessus la partie supérieure, c'est l'euthanasie, la partie en dessous, c'est le suicide assisté. Je vous laisse rentrer dans les détails. Et puis, la dernière, donc ce qu'on va faire aujourd'hui, on va reparler un peu d'aide active à mourir, on va reparler beaucoup d'aide active à mourir. On va voir les critères d'accès et les modalités, et puis on fera un dernier vote. Et puis, ouais, pas des moindres. Et puis voilà. Merci de votre Merci attention. Beaucoup. Toujours un plaisir d'être là. Merci. Bonjour à tous. Bon, vous avez eu une belle restitution de nos facilitateurs graphiques. Ça nous fait une transition pour continuer le prochain temps. Alors, certains d'entre vous hier ont choisi de travailler sur le quoi qu'il en soit et d'autres ont plutôt préféré travailler sur l'aide active à mourir et,
et continuer la réflexion qui avait été initiée en session 5. Le temps qui arrive, là, il a pour objectif de partager finalement vos arguments sur l'accès à l'aide active à mourir. Quel que soit le travail que vous avez effectué hier, vous pouvez tous vous exprimer, hein, bien sûr, dans l'hémicycle. L'objectif, c'est de partager vos positions, vos convictions aussi, peut-être tous ensemble dans le collectif, avec du coup, bah, voilà, cet objet d'accès, de rentrer un peu plus dans les conditions, les critères, les éligibilités, on va dire, pour l'aide active à mourir. Très bien. Alors, comment ça va se passer? On s'est déjà bien rodé la fois précédente. On va avoir essayé d'avoir la même qualité, entre guillemets, de débat. On va afficher les petites règles parce que ça va toujours mieux en les rappelant. Hop. Voilà. Alors, on a un temps assez contraint, vous l'avez compris. Il y avait quatre questions sur lesquelles vous avez travaillé hier. Je vous les redis pas, elles sont derrière et on va les reprendre. On va les travailler de manière successive. Comme vous l'avez compris, on a un temps réduit. On va avoir la même règle de prise de parole limitée dans le temps. Donc on mettra le petit chronomètre à une minute. Ça vous avait bien guidé la fois précédente. Et avec cette exigence d'avoir une seule idée par intervention pour ne pas brouiller le débat. Et puis bien sûr, mais vous l'aviez très bien fait la fois précédente, on s'écoute. Et l'idée est bien de se répondre, de rebondir, d'enrichir et pas de se répéter autant que possible. Et puis bien sûr, comme le temps est court, ce sera frustrant, autant se le dire d'avant, c'est un mot qui revient souvent. L'idée, c'est de prolonger les débats que vous avez eu hier. Vous avez beaucoup travaillé, tout a été noté, il y a eu beaucoup de débats entre vous. Là, l'idée, voilà, c'est de prolonger ça, mais si ce n'est pas exhaustif, ce n'est pas grave, puisque tout a été consigné. Si ça vous va, on y va ? Allez. On commence du coup par le premier nœud que vous avez dénoué hier matin sur la question du pronostic vital. On vous l'a dit, là, l'expression, elle est libre. Alors, on attend un volontaire pour peut-être se lancer, commencer la discussion sur pourquoi ce critère devrait être pris en compte ou non, finalement, dans l'accès à l'aide active à mourir. Est-ce que quelqu'un veut se lancer d'ores et déjà? Alors, vous rappelez, c'était la question pronostic vital, notamment est-ce qu'il faut le considérer à court terme, à moyen terme ou à long terme, c'est-à-dire dès la pose du diagnostic. Allez, Nathalie. Ouais, je commence. Donc, Nathalie alors. B, toujours on donne le prénom, absolument, son initial et son groupe. Comme alors, ça. Nathalie B, groupe 2.3. Là, vous n'avez pas précisé si on commençait par suicide assisté ou euthanasie. On l'annonce quand on parle, c'est exactement, ça? Exactement, okay. On va faire comme ça. Donc, je lance alors. Donc, je commence par le suicide assisté. Nous, dans notre groupe, on s'est dit qu'il n'y avait pas à prendre en compte les histoires de court terme, moyen terme, long terme, parce que déjà, il fallait qu'on se mette d'accord sur ce qu'était le court terme, moyen terme, long terme, et que donc ce n'était pas un critère. En revanche, je le dis tout de suite, il fallait qu'on ait la notion d'incurabilité. Très bien. Donc voilà, une première position qui effectivement s'est dégagée de dire que ce n'est pas un critère d'accès à l'aide active à mourir, et que ce soit pour l'euthanasie ou le suicide assisté, hein, c'est ça. Est-ce que d'autres pensent comme ça? Est-ce que dans d'autres groupes, vous étiez là-dessus ou certains ont souhaité mettre ce critère? Oui, Corinne. Oui, Corinne Gilles, donc groupe 4.1. Donc nous avons rajouté également, au niveau de ce pronostic, d'éviter l'agonie. Éviter cette phase d'agonie. Donc, dans le cadre par rapport du pronostic à la temporalité, etc., donc, pour éviter cette fameuse phase agonique. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Alors, Gilles M, groupe 2-1. Donc, à la fois sur l'aide active à mourir et sur l'euthanasie, nous, on a rajouté comme idée de situation de fin de vie jugée invivable, en plus d'incurabilité. Alors ça, c'était effectivement sur le deuxième débat, mais effectivement, ce qu'on avait vu, et ça le montre, c'est que ces questions sont liées, ces critères sont liés, donc c'est assez logique qu'ils ressortent dans le débat. Sur les notions de court terme, moyen terme, Soline ? Alors, moi, je n'ai pas travaillé dessus, mais j'ai une question pour Corinne. La phase d'agonie, c'est le moment où la personne est en train de décéder.
comment on peut éviter cette phase qui est de toute façon la fin de la vie et qui, selon moi, est un passage inévitable. Alors dans le groupe, effectivement, ce qui est ressorti, c'est au niveau de l'accès à l'aide active à mourir, hein, qu'elle soit par l'euthanasie ou suicide assisté, qu'on supprimait cette notion de temporalité sur le parcours pour la mise en place, et afin d'éviter effectivement, si une personne ne veut pas atteindre un niveau d'agonie et accéder à ce qui est actuellement en place avec une sédation profonde et continue, qu'il puisse accéder effectivement à une euthanasie ou un suicide assisté. Ok, donc plutôt des interventions sur l'idée de ne pas le retenir finalement, si je comprends bien, comme un critère en tant que tel. Est-ce que ça fait consensus, entre guillemets, pour ceux qui sont... Anton ? Anton, groupe 4-2. Il y a une partie de mon groupe qui était sur l'idée principale de liberté individuelle absolue et d'autodétermination. Donc pas de critères de temporalité, rejeté là-dessus. J'ai l'impression que ça fait assez consensus. Et pas non plus de question d'incurabilité ou autre. Donc là, effectivement, les interventions qu'on reçoit essentiellement plaident en faveur de ne pas retenir le critère du pronostic vital engagé dans l'accès à l'aide active à mourir. Est-ce qu'il y a d'autres groupes qui, finalement, se sont positionnés différemment ? Oui ? Oui, bonjour, Julien, donc le groupe 1-1. Donc au sein de ce groupe, il y avait effectivement, par contre, plutôt un consensus sur la question du pronostic vital engagé à court terme, considérant qu'il était déjà... bien explicité dans la loi Leonetti, le court terme peut se définir quelques jours à peu près. En revanche, effectivement, il y avait une zone beaucoup plus floue autour du moyen-long terme, et donc effectivement, au sein du groupe, il y avait consensus sur le court terme, plutôt un questionnement sur moyen-long terme. Ok, donc une nuance par rapport à ce qu'on a apporté au regard de la difficulté à définir ce qu'on peut appeler, c'est ça, le moyen ou le long terme. Alors, Isabelle. Si je peux me permettre d'intervenir, les médecins eux-mêmes ne savent pas réellement quel est le court ou le moyen terme à quelques jours près, sauf s'ils le décident, et c'est ce que Madame Fourcade essayait de dire vendredi avec le groupe, des gens qui se sont manifestés contre ce que nous faisons actuellement. C'est de dire, d'une part, comme disait Soline, l'agonie est un passage obligé et peut-être de s'apaiser soi-même avant de passer à la phase mortelle. Et d'autre part, il y a des gens qui ont été arrêtés à 2 heures, a priori, où il y a eu une réunion la journée même, ils étaient censés mourir 2 jours après, au plus, et qui sont restés 5 mois, 10 mois, moi j'en ai connu une, 40 ans, donc voilà. Très bien, merci. Je retiens l'idée supplémentaire du coup qu'on peut être contre l'aide active à mourir au sens où l'agonie a aussi un sens finalement. C'est ça. Ok. Est-ce que sur ces questions... Oui, Christophe R, groupe 1.1. Donc effectivement, dans notre groupe, il y a eu cette interrogation sur la durée et on avait relevé qu'un des critères qui nous paraissait vraiment important, c'était le caractère de la souffrance. Quand on parle de l'agonie... pour moi, agonie, la fin de vie, tout le monde a une fin de vie. L'agonie, pour moi, c'est plutôt une souffrance qui peut être réfractaire, donc qui ne peut pas être calmée. Et c'est ça qui est difficile à accepter. Et c'est vraiment le critère qui va motiver beaucoup d'actions particulières pour accélérer, gérer le processus. Donc finalement, éviter la souffrance en autorisant l'accès à l'aide active. C'est le facteur essentiel, oui. D'accord. Est-ce que ça évoque des réactions dans le... dans le collectif? Il y a Eric, je crois. Non, pardon, désolé. Oui. Votre prénom, du coup? Donc, Marc. Marc. Moi, je n'ai pas travaillé sur l'aide active à mourir, mais effectivement, je voulais réagir un peu à ce qu'a dit Soline sur l'agonie et cette idée d'éviter l'agonie. Il y a quelque chose qui me semble extrêmement dangereux là-dedans, dans la mesure où on est dans un contexte d'hypermédicalisation de la mort. Et je crois que la mort est quelque chose qui appartient à la personne aussi. Et que l'agonie, c'est une manière d'être conscient du moment où on va mourir. Et en ce sens, je crois que c'est complètement... philosophiquement, ça me pose vraiment un problème de penser qu'on peut éviter cette phase de conscience de la mort.
vous rejoignez un peu l'argument d'Isabelle. Je crois que ça évoque des réactions. Par ici, vas-y Antonin. Donc Antonin, groupe 6-3, je crois. On a aussi pas mal parlé de cette question de la philosophie de la mort, de cette existentialité et l'importance de la vivre. Par contre, on est arrivé à une conclusion où en fait, on est quand même dans une société assez paradoxale. C'est-à-dire qu'on a développé la médecine, on avance, on vit de plus en plus longtemps, mais avec de plus en plus de pathologies. C'est le cas des polypathologies. Donc la souffrance qu'on peut vivre en fin de vie actuellement, pour certaines personnes, est quand même anormale. Donc le fait de vivre la mort devient un petit peu différent d'avant. Donc c'est plus le même rapport. La souffrance est telle que est-ce qu'elle vaut vraiment la peine d'être vécue? Très bien. Merci. Alors Marc-Olivier et après Alexandra. Marc-Olivier, groupe 2-2. S'agissant du mot agonie, je crois qu'il pose un peu problème à certains qui ne le comprennent pas de la même façon. Il y a la définition, et je ne suis pas un spécialiste, si je comprends bien, médical, on passe tous par l'agonie, qui est le dernier moment avant la mort, et pour les autres, c'est le contexte de souffrance, de durée, pour le patient et pour ce qui l'entoure. Et donc peut-être qu'il sera utile de le préciser dans le rapport et d'utiliser un autre terme, parce qu'autrement, ça crée peut-être des antagonismes inutiles. Je voulais ajouter que dans mon groupe, il y avait une très forte majorité pour au moins aller jusqu'au moyen terme, parce qu'autrement, on reste à une définition de quelques jours, voire deux semaines, ce qui est très court, et la reconnaissance du fait que c'était difficile de distinguer le moyen terme du long terme. Et donc, on entre dans des zones grises, en particulier pour des maladies incurables, avec souffrance évolutive, etc. Merci. Donc, effectivement, on retient ces échanges sur l'agonie intéressants. Et par rapport à ce que vous avez dit, Marc-Olivier, peut-être en plus la notion d'expérience de l'agonie, je crois, qui ressortait de certaines interventions. Ça fait le lien, je crois, avec l'autre sujet qui était posé, le deuxième, sur la question de l'incurabilité, effectivement, et des souffrances avec tout ce qu'on peut mettre derrière. Je vous propose peut-être, pour approfondir le débat, puisqu'on voit que vous liez beaucoup les sujets, d'aller sur ces questions-là de manière plus précise. Est-ce que quelqu'un veut se lancer sur ces notions d'incurabilité? Finalement, quelles sont les maladies qui devraient être prises en compte ou s'il n'y a pas de condition de pathologie, de maladie, de condition physique ou psychique pour l'accès à l'aide active à mourir? C'est des débats qu'on sait avoir eu lieu de manière déjà plus riche aussi dès la session précédente. Alors, allez-y, oui. Du fait que je votre sois... Votre prénom, s'il vous plaît. Pascal, des groupes... Groupe 4. 4. Du fait... Ben voilà, je ne sais plus ce que je voulais dire. Désolé. Oui, du fait que je ne suis pas médecin, pour moi, les maladies, lesquelles, je ne sais pas. Mais effectivement, incurable, donc je ne sais pas. Le problème, ça reste toujours cette souffrance l'envie de la soulager presque à tout prix. Donc effectivement, quelles conditions faut-il remplir pour avoir droit d'arrêter de souffrir? Ça rime. Merci. Donc pour vous, c'est bien le critère de la souffrance qui est le critère premier, si je résume. Il y a eu beaucoup de discussions sur qu'est-ce qu'on appelle souffrance, souffrance physique, psychologique, situation de vie invivable, etc. Est-ce que... Bah, Nathalie. Nathalie B., groupe 2-3. Par rapport aux maladies, c'est vrai que nous, ce qu'on a dit dans notre groupe, c'est qu'il ne fallait surtout pas faire un catalogue à la Prévert, c'est-à-dire une liste de maladies, ne serait-ce que parce que ces listes-là peuvent évoluer. Donc on s'est dit qu'il ne fallait pas faire ça, mais que ça pouvait être des maladies incurables. Nous, on a discuté sur le évolutif, on a barré le évolutif, et on était aussi bien sur des maladies psychiques que des maladies physiques. Merci. Donc incurable et physique et psychique. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Okay. Alexandra. J'ai un petit souci sur la notion d'incurabilité en matière de souffrance, de maladie psychique, parce que c'est extrêmement incertain que
Vraiment, ça me pose problème. Comment peut-on dire qu'une maladie psychique est incurable ? Alors après, effectivement, il y a des pathologies qui sont, oui, incurables, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir une bonne qualité de vie à un certain moment. Et juste pour revenir sur l'incurabilité, ce n'est pas parce qu'on a une maladie incurable qu'on doit absolument supprimer certains moments de vie. Et justement, ça reprend un peu ça. C'est-à-dire qu'on peut avoir une maladie incurable et quand même avoir des choses à vivre, même aussi parfois dans la souffrance. Oui, Martial. Martial B, groupe 6-2. Pour nous, ce qui a un peu porté à confusion, c'est en effet ce terme d'incurable non associé à la question de létalité ou non, et à la question de la souffrance ou non. L'asthme est incurable. Est-ce que c'est une condition d'accès? Si c'est uniquement ce critère, pour nous, ça ne nous a pas semblé être le critère premier. Au contraire, pour nous, c'était beaucoup plus la proposition en cas de situation de vie ou d'état jugé invivable. Et en fait, pour nous, c'est ce qui nous semblait le plus important pour la personne. Est-ce que la personne considère que, en l'état, ce qu'elle vit n'est pas vivable, entre guillemets? Mais en tout cas, c'était pour nous le critère le plus important et qui repose la question de la volonté de la personne et son libre arbitre et son autodétermination. Okay. Donc l'autodétermination autour de cette notion de qualité de vie, pour prendre les termes d'Alexandra, ou de situation invivable. Noël S, groupe 3-2. Nous, on a eu la chance d'avoir l'intervention de Nadine Leforestier, neurologue. Et par rapport à ces concepts de douleur et de souffrance, on réalise, en tout cas selon elle et selon ce que nous aussi on constate, qu'en France, il y a vraiment un problème au niveau médical du rapport à la douleur, et c'est vraiment des choix politiques, au point qu'il y ait des patients français qui commandent des médicaments non prescrits, bien sûr, à l'étranger, avec les dangers que ça représente. Et donc, il faut vraiment que les politiques aient le courage de voir plus ce qui se fait au niveau international et de prendre en considération la douleur des patients plus que le ressenti ou le diagnostic des médecins sur ce qu'est la douleur de chacune et chacun. Merci. Donc on retrouve bien cette idée de dire c'est ce qui compte, c'est la manière dont est vécue la douleur, la situation par la personne, plus qu'un diagnostic posé. Donc on a eu beaucoup d'arguments sur la notion de souffrance, justement. Oui, Corinne? Oui, Corinne Segou. Donc nous, effectivement, au niveau de cette situation d'incurabilité ou létalité que j'ai entendu et que j'apprécie également, on a bien fait ressortir effectivement que toutes les souffrances se valent d'une personne à une autre pour une même maladie. Le ressenti ne serait pas forcément le même, et qu'on ne peut pas uniquement tenir compte d'une incurabilité ou d'une maladie qui a atteint un certain seuil avec une certaine souffrance. On n'est pas tous égaux vis-à-vis d'une souffrance, tous égaux vis-à-vis d'une douleur, et qu'il fallait effectivement prendre le cas par cas du patient et pas s'arrêter à le pointer. C'est cette situation-là qui va faire qu'on va activer chacun à son curseur, son propre curseur. Donc finalement, de ne pas retenir une liste de maladies, une mais liste bien de maladies, tout à fait, absolument, traiter toutes les souffrances de manière égale. On a vraiment une individualité face à la souffrance, et c'est ce qui est ressorti. Alors, je crois qu'il y a une réaction. Allez-y. Ouais. Marc, donc moi, je n'étais pas dans un groupe avec un chiffre, puisque j'ai travaillé dans l'hémicycle. Je réagis sur cette question, effectivement, de souffrance et le fait de s'interroger donc, sur la mise en route d'une aide active à mourir. Je trouve ça très limitant, en fait, dans le sens où on propose le choix entre souffrir et mourir. Il me semble qu'il y a d'autres choix. Et si on prend l'exemple d'actualité à travers des conflits armés, à travers un séisme, à travers des attentats, toutes les personnes qui sortent survivantes de cette actualité souffrent. Et on va leur donner le choix entre souffrir et mourir alors qu'elles sortent vivantes de choses très dramatiques. Donc là, vous faites le lien avec les thématiques de l'accompagnement, c'est ça, et peut-être de la
il y avait une thématique sur la recherche et développement sur la souffrance, voilà, en disant qu'il y a d'autres pistes, effectivement, que l'aide active à mourir pour soulager ces situations de souffrance. Je crois que ça fait réagir Alexandre. Non, justement, bonjour à toutes et tous. Donc Alexandre, groupe 3-2. Je trouve ça très intéressant qu'on ait ce retour, dans le sens où jusqu'ici, on a traité de la question des maladies incurables. J'ai l'impression quand même qu'il y a un consensus sur le fait que ça ne puisse être la seule condition, sauf erreur de ma part. Mais j'aimerais qu'on entende peut-être un peu plus les personnes qui, pour des raisons philosophiques ou religieuses, estiment que ça ne doit pas être retenu comme argument ou ça ne doit pas être le seul argument, parce que jusqu'ici, on les a, j'ai l'impression, un peu moins entendus. Mais c'est peut-être une erreur de ma part. Alors, le micro leur est ouvert, évidemment, et quelques-uns se sont quand même exprimés. Il y a Ludivine. Juste en Ludivine, donc, du groupe 2-3, pour répondre à Marc. Là, c'est, enfin, tu fais, je pense, une généralité par rapport à deux cas possibles. Nous, dans notre groupe, on a vraiment parlé d'un parcours de soins et qui pourrait diriger les personnes, en fait, vers d'autres directions. Mais on parle de personnes dans un cas bien particulier. Ça, c'est pas généralisé comme tu peux le. Enfin, comme j'ai reçu ce que tu disais, en tout cas. Donc, ce que vous voulez dire, c'est que l'ouverture de possibilités d'aide active à mourir n'est pas opposée à continuer les autres formes d'accompagnement, et notamment les soins palliatifs. Hop. Allez-y, ouais. Oui, Stan B. Donc moi, pour répondre à Marc, la question que je me posais, c'est que ça pose un problème de laisser le choix à quelqu'un d'avoir la possibilité de mourir. Par contre, ça pose pas de problème d'imposer à quelqu'un de vivre alors qu'il n'en a plus envie. Ok, donc inverser la... Vous avez des réactions aussi de ce côté-là de l'hémicycle, oui? Non, c'est pour reprendre l'intervention votre de prénom, d'Alexandre Philippe, groupe 3-2. On a évoqué dans ce groupe qui était très composite avec des points de vue très antagoniques, ce que j'ai trouvé très intéressant, la situation dans ce domaine, dans cette thématique de Vincent Lambert, certains disant que cette situation n'aurait jamais dû exister. Il n'empêche qu'effectivement elle a existé et que la notion d'invisibilité de cette situation-là, pas simplement pour le patient bien sûr, mais pour l'entourage, a été quand même largement évoquée. Donc par rapport à la question d'incurabilité et d'invivabilité, je pense que c'est quand même une situation qui mérite d'être reprise, puisque effectivement elle a été très très médiatisée, malheureusement pour sans doute la famille qui en a beaucoup souffert, mais en tout cas c'est une situation qu'on a évoquée nous dans notre groupe 3-2. Sur la, juste quelques secondes, sur le fait que les gens qui ont une philosophie différente puissent s'exprimer ou pas, moi j'ai l'impression de l'avoir déjà entendu et je respecte tout à fait leur point de vue, même si ce n'est pas le mien. Merci. Merci. Marianne, groupe 5.2. Dans notre groupe, nous avions un dissensus sur les conditions d'accès à l'aide active à mourir, avec une partie d'entre nous qui étions pour un accès basé uniquement sur le libre choix du patient et d'autres qui étaient pour mettre des conditions. Et. On a noté la notion de situation invivable, présente ou à venir. Et on a insisté sur le fait que le libre choix du patient pouvait relever de ce qu'il ne veut pas vivre à l'avenir. Et que c'était dans les souffrances, par exemple, quelque chose d'important à mentionner. Personnellement, j'étais pour mettre des conditions, mais qui permettaient aux patients d'anticiper des situations qu'il sait être invivables et de ne pas imposer les souffrances. Ok, donc y compris, donc là on rejoint un peu la question du long terme finalement et d'anticiper des évolutions possibles. Alors le long terme a fait un autre débat, d'ailleurs il faudra peut-être qu'on y revienne, qui faisait un grand dissensus. J'étais contre le long terme et on était en dissensus sur cette notion-là. D'accord. C'est une autre question. Très bien. Je crois que ça fait réagir Alexandra. Sur la notion de ne pas vouloir vivre quelque chose, c'est un petit peu problématique parce que finalement, comment savoir ce que qu'on acceptera ou pas de vivre à long terme alors qu'on n'est pas la même personne.
Si on prend la maladie d'Alzheimer, beaucoup de gens que j'ai entendus ont dit « si je ne peux plus reconnaître mes enfants, je voudrais en finir avec la vie ». Maintenant, est-ce qu'à ce moment-là, il y aura vraiment et réellement un désir de mourir ? Ça, on ne peut pas le savoir. Oui, donc vous voulez dire qu'on chemine aussi avec sa maladie, et ce que l'on pense, la manière dont on se projette dedans à un moment n'est pas la manière dont on le vit au moment où ça arrive. Tout à fait, et la possibilité de savoir qu'on a la possibilité d'avoir une aide médicale à mourir va probablement favoriser des anticipations qui finalement n'auraient pas été nécessaires et où les gens auraient pu faire d'autres expériences de vie. Ok, merci Alexandra pour ce point de vue. Il y a Ernest qui n'a pas parlé encore. Ernest, pour répondre au point sur la maladie d'Alzheimer, en fait, toute la différence, on ne l'a pas du tout inclus dans nos réflexions sur ce qui était dans nos réflexions sur l'aide active à mourir, parce qu'en fait, c'est une situation où, en fait, au moment où on va réaliser l'acte qui est soit l'euthanasie ou le suicide assisté, en fait, on a plus du tout, on n'a pas le discernement. On perd ce discernement du fait de la maladie. Et du coup, le point important qu'on avait, une des questions qu'on a soulevées dans le groupe 5.2, c'était vraiment la question de la conscience au moment de l'acte. Et au-delà de la conscience, c'était la question de pouvoir exprimer sa volonté jusqu'à la fin. Et là-dessus, ça a été un point de débat qu'on n'a pas pu résoudre. Et donc la maladie d'Alzheimer, pour revenir sur ce point-là, vu qu'on a un état mental qui est dégradé, on ne peut pas exprimer son discernement, et effectivement, c'est un point de difficulté pour avoir accès à une aide active à mourir. Ok, alors on va arriver effectivement sur la question du critère du discernement. Il y avait Annie que j'ignorais depuis un moment, désolé. Bonjour, alors Annie P, groupe 3.1. C'est pour pouvoir relater un peu nos points de discussion. Donc par rapport à l'incurabilité évolution, avec prendre le mot évolution à la fois comme possiblement positive avec de nouveaux traitements, etc., ou acceptation, mais évolution aussi avec une dégradation qui va jusqu'à une difficulté à vivre trop importante. Donc voilà, garder à l'idée ces branches, on va dire. Après épuisement donc, de toutes les solutions thérapeutiques, médicamenteuses disponibles à un instant T, vraiment prendre en compte la liberté de choix de la personne et puis le respect de la dignité face au caractère évolutif. On avait donc en argument qui venait contrebalancer, c'était encore une fois la recherche peut solutionner, évoluer, et puis la possibilité aussi d'évolution du diagnostic. On n'est pas à l'abri d'une erreur, on n'est pas à l'abri d'une mauvaise interprétation, etc. Donc pas de précipitation, mais vraiment cet objectif de respecter la liberté et la dignité de la personne. Ok, donc on retrouve ce critère-là comme un critère clé, mais dont on voit dans certaines interventions qu'il doit être peser avec attention, au sens où le choix d'une personne peut évoluer et ne pas être figé. Joé ? Oui, Joé, j'étais dans le groupe des questions transverses. Je rebondis à ce qui a été dit sur le fait qu'on ne devrait pas forcer quelqu'un qui veut mourir à vivre. Ça m'interroge sur des maladies où l'envie de mourir, la pensée suicidaire, est un symptôme à part entière de la maladie. Ça peut être le cas d'un syndrome dépressif sévère. Est-ce que finalement l'aide active à mourir n'est pas une façon un peu radicale de soigner ce symptôme ? Je pose la question. Ça génère pas mal de réactions dans l'hémicycle. Oui. Myriam G. du groupe 5-3, c'est justement un des consensus qu'il y avait dans le groupe. C'est la problématique quand on parle de maladie psychique. Donc on rejoint tout à fait ce que dit Joey. D'accord. Et donc, est-ce que quelqu'un veut répondre à la question de Joey ? Johnny, groupe 5-3. Par rapport à ce que disait Joey, justement, dans les prochains débats qui vont être énoncés, pour justement ces maladies psychiques, il y aura dans les propositions qui ont été faites un suivi et un parcours de patients qui justement permettent d'encadrer toutes ces, euh,
ces possibles jugements à la hâte pour éviter que l'aide active à mourir devienne un soin et une solution. Ça doit être un choix et non une solution. Merci. Effectivement, il me semble que ça revenait dans plusieurs groupes, l'idée que la liberté de choix ne voulait pas dire qu'il n'y avait pas autour de ça tout un dispositif d'encadrement. Effectivement, on en parlera dans le deuxième temps de la matinée et d'accompagnement autour de ce choix. Est-ce qu'il y a alors ? Oui, allez-y. Oui, bonjour, Véronique. J'étais dans le groupe 5-2. Je voulais répondre à Joué par rapport aux maladies psychiques, parce que je pense qu'il y a une grande différence entre, par exemple, la dépression sévère et des grands psychotiques qui sont conscients, mais qui vivent des souffrances atroces qui durent depuis très longtemps. Donc je pense que ça, c'est vraiment à différencier. Ok, donc une diversité de situations autour de ces souffrances psychiques. Alors il y a Gaëtan qui attend depuis un petit moment. Oui, merci. Gaëtan S, groupe 2-1. Et lorsque on a abordé les critères de maladie incurable et à la fois de pronostic vital, j'avais émis l'idée que pour moi, ces deux critères devaient être associés l'un avec l'autre et ne puissent plus être dissociés, de manière à exclure de facto tout ce qui est pathologie psychique. Parce que pour moi, les personnes souffrant de pathologies psychiques ne sont pas dans des situations de fin de vie. Alors, en associant l'incurabilité, sans préciser pathologie, parce qu'il y a certains cas d'incurabilité qui ne sont pas forcément liés à des pathologies, et le pronostic vital, cela encadre directement la chose d'une manière plus sécurisée, à mon sens, et apporterait... un moyen d'éviter d'encadrer certaines dérives. Ok, je pense que là, vous pointez un vrai nœud de débat qu'il y a dans la Convention sur l'inclusion ou pas des souffrances psychiques pour un accès à l'aide active à mourir. Il y a effectivement la question de cumuler les critères qu'on n'a pas évoqués jusqu'à présent, mais qui permet aussi parfois de répondre à certaines problématiques. Oui. Oui, je voudrais revenir sur les maladies. Sur les maladies psychiques, j'ai jamais entendu ici prononcer le terme de psychiatrique, de maladies de troubles mentaux, ça va au-delà de la maladie psychique. Je ne sais pas très bien ce qu'on met sous le terme de maladie psychique. Hein. Souffrance psychique, oui, mais maladie psychique, ça me paraît plus difficile à cerner. Et il est vrai que vous avez parlé des états dépressifs, où là, on va voir tous les stades, hein. L'état dépressif réactionnel qu'on a peut-être tous eu à un moment donné dans une situation difficile de notre vie, qui est un passage difficile, qui parfois même nous donne des envies de partir. Hein. Et là, on peut être aidé par une équipe, ou une psychothérapie, ou une aide médicamenteuse à un moment donné. Et puis, il y a des états beaucoup plus graves, mélancoliques, des états vraiment où là, la souffrance est intense. Mais là encore, il y a des traitements, j'ai vu des mélancoliques sortir de traitements et avoir une vie tout à fait acceptable et même parfois un travail, une famille et que ça se passait bien. Donc tout est dans le discernement. Est-ce que le discernement est atteint par la souffrance liée à un symptôme à un moment donné de sa pathologie ou pas? Et là, je crois qu'il y a à réfléchir. Donc on retrouve sur cette question-là. Alors, Oscar, je crois qu'il attend depuis un moment. Alors, Oscar D, groupe 2.2. Moi, je voulais rebondir aussi sur le point de Joey et vous partager un ami psychiatre exactement sur la dépression chronique qui, dans sa pratique depuis 10 ans, effectivement, rencontre assez régulièrement ce type de patient. Et dans la plupart des cas, en fait, il dit que c'est un symptôme de la maladie que de demander à mourir. Donc, il y a des patients qui viennent le voir dans son hôpital pour lui demander de l'aider pour aller en Belgique notamment. Et il me dit, moi dans 99% des cas, on arrive par exemple avec des solutions thérapeutiques, que ce soit médicamenteux ou non, à les soigner et donc à retirer ses symptômes en fait, d'envie de mourir. Et il a dans la plupart des cas des patients qui viennent le remercier en disant, merci docteur, c'est passé derrière moi, j'ai plus d'envie de mourir. Donc lui, ça le posait vraiment question, cette ambivalence, etc., de discernement,
où l'envie de mourir est vraiment un symptôme de la maladie, dans le cas de la dépression chronique, qui est un exemple. Ok, donc on voit que c'est... On voit que cette question, est vraiment débattue. Peut-être qu'on pourra, enfin, on va repasser la parole si certains veulent compléter, et puis après passer à la question du discernement en tant que tel, puisque vous y aviez travaillé dessus. Alors peut-être là où vous n'avez pas parlé encore. Alors Elisabeth, groupe 5-3, je crois. Voilà. Vous voyez, au niveau du suicide, quand on parlait du parcours, fallait le suicide, c'était pas on arrive, oui, passer dans la pièce d'à côté. Il y avait tout un parcours qui était mis en place au début, et on se disait que c'était, enfin je me disais, enfin je pense, on partageait un peu certaines idées, que ça permettait à certaines personnes qui parlaient de suicide de rentrer dans un système d'aide, avec justement, puisque le parcours était mis en place, avec des psychologues, des médecins, pour justement en arriver à, non, justement, on n'emmène pas. Donc nous, on voyait ça, enfin je voyais ça plus comme une aide pour certaines personnes qui, au lieu de prendre des barbituriques directement dans leur pièce, irait faire ça plus doucement en allant vers le suicide assisté. Et justement, on serait là pour les empêcher de le faire à travers ce parcours imposé, parce qu'il est comme, on essaye qu'il soit imposé. Voilà, c'était plus, ça permettait une aide pour certaines formes de suicide. D'accord, donc la notion de parcours qui revient de manière assez récurrente dans vos arguments pour justement encadrer... Alors, peut-être Zacharia. Zacharia, mais j'ai pas travaillé sur l'aide active à mourir. Je suis pas trop pour l'aide active à mourir. Je serais plutôt pour l'aide active à vivre. Moi, j'ai entendu les arguments des uns et des autres en ce qui concerne le pronostic vital, en ce qui concerne les maladies incurables. J'aimerais qu'on garde à l'esprit dans notre réflexion. Qu'on garde à l'esprit l'espoir de la personne de guérir et de lui donner toujours une porte de sortie de sa maladie ou alors et mettre toujours des conditions pour que un jour on puisse guérir sa maladie ou alors que le progrès thérapeutique apporte une solution à ses problèmes psychiques et de ne pas fermer les portes, toujours garder un espoir. Et je suis pour l'aide active à vivre. Merci. Alors, on va continuer les prises de parole. Peut-être qu'on peut basculer de manière, les sujets sont liés, on le fait, mais n'hésitez pas si vous avez des points à porter sur la question de la conscience aussi et de l'autonomie de décision, puisque c'est des sujets qu'on a commencé à aborder. Et on a effectivement évoqué déjà la question du discernement. Je vois que tu lèves la main depuis tout à l'heure. Oui, vu le français, donc c'est pour répondre à Zacharia. Et à deux, trois autres personnes qui disaient la même chose. Oui, on peut toujours attendre l'évolution des recherches médicales pour trouver des solutions à toutes les maladies du monde et d'ailleurs. Juste pour rappel, il y a quand même beaucoup de plans nationaux, voire internationaux, pour combattre le cancer. Aujourd'hui, il y en a encore beaucoup qui meurent d'atroces souffrances, même après 40-50 ans de recherche. Il y a des maladies orphelines où on ne trouvera jamais de solution parce qu'il n'y a pas assez de recherche, parce que c'est une maladie orpheline. Et après, il y a aussi des problèmes génétiques où tu ne trouveras jamais de solution parce que c'est déjà ancré dans la personne, tu ne trouveras pas de solution. Merci. Alors, peut-être une femme pour un peu alterner. Allez-y, Laura. Oui, merci. Laura, groupe 2-1. C'était juste pour réagir au propos de Zacharia. Selon moi, et je crois que c'était une idée assez partagée dans notre groupe, c'est pas parce qu'on ouvre une porte qu'on en ferme une autre. Et justement, tout ce parcours de soins de la personne qu'on souhaiterait mettre en place permettrait de garder votre porte ouverte vers l'espoir pour la personne qui le souhaite. Mais une fois qu'on a mis en place tout ce parcours, si la personne souhaite poursuivre dans sa volonté, dans son choix éclairé, d'avoir accès à une autre solution, nous, on souhaiterait, en tout cas moi, je crois que c'était partagé dans le groupe, on souhaiterait pouvoir laisser quand même cette porte ouverte. Merci. Merci. Johnny, peut-être ? Oui, ben Johnny, toujours groupe 5-3. Pour répondre à Zacharia et à cette notion d'espoir qui est relativement abstraite, on n'arrête pas de dire que l'aide active à mourir
pourrait en fait supprimer cette notion d'espoir. Mais toutes ces personnes qui n'ont pas accès à l'aide active à mourir et qu'on nourrit d'espoir pendant des années, qu'on laisse souffrir pendant des années en disant « mais gardez espoir », qu'en est-il quand elles se retrouvent face à la douleur de tous ces espoirs brisés après une longue attente à se dire bah, « finalement, je n'ai pas d'autre choix que de mourir dans la souffrance, de me confronter à ma propre dégradation quotidienne jusqu'à l'heure fatidique où je vais devoir partir ». Merci. Donc on revoit bien ces questions autour. Enfin voilà, est-ce que le fait d'avoir l'accès à l'aide active à mourir ferme des portes, pour reprendre les mots de Laura, ou juste une porte supplémentaire proposée. Peut-être sur les questions quand même de conscience et d'autonomie de la décision, parce qu'il y a eu beaucoup de débats là-dessus, et avec des vraies nuances pour le coup entre suicide assisté et euthanasie, ce que vous n'avez pas trop abordé jusqu'ici, parce qu'il me semble que sur ces critères précédents, c'était moins flagrant. Je ne sais pas, Agnès, c'est là-dessus. Agnès P, groupe 3. Je n'étais pas dans l'aide active à mourir, j'étais dans les groupes transverses, mais je voudrais rebondir et ça fera le point avec le discernement, rassure-toi Olivier. Moi je suis très étonnée, je reviens sur Alzheimer, je suis très étonnée qu'on mette autant d'importance ou qu'on donne autant de valeur à l'expression d'un souhait de partir en toute conscience avant que la maladie soit avancée, donc le discernement est complètement là. Et dire, et quand la personne sera plus du tout dans le réel, parce que c'est à peu près ça, Alzheimer, elle a peut-être encore envie de vivre des choses, mais elle n'a plus de discernement. Donc ça veut dire que qu'elle en est ou qu'elle en est pas, on lui accorde la même valeur. Moi, je trouve ça assez étonnant. Enfin, c'est comme ça que je le comprends, en tout cas. Enfin, je le vois. D'accord, merci. Très bien. Donc je crois que Safiye Toutou, tu levais la main aussi tout à l'heure. Bonjour, Safiye Toutou. Au fait, c'est juste pour répondre à Laura, si je me trompe pas. Au fait, quand on va ouvrir, le problème, ce n'est pas d'ouvrir une porte, mais comment est-ce qu'on va encadrer l'ouverture de cette porte? Parce qu'il y aura des dérives, c'est sûr et certain. Une fois que la porte est ouverte, on ne pourra plus la maîtriser, au fait. Il y aura des gens qui vont se dire, pourquoi des maladies en phase terminale? Pourquoi pas des maladies chroniques? Et je pense que c'est leur droit, ils ont raison, parce qu'ils ont une souffrance en eux, que pour eux, la seule solution, c'est l'aide active à mourir. Il y aura des maladies qui n'ont rien à, il y aura des cas qui n'ont rien à voir avec des maladies, des cas sociaux, au fait. Pourquoi est-ce qu'eux aussi, on ne va pas les laisser sortir par cette porte? Parce que c'est une porte qui a été ouverte, ils ont droit aussi. C'est ça qui fait peur, ce n'est pas l'ouverture de la porte, mais comment est-ce qu'on va encadrer cette ouverture? Comment est-ce qu'on va éviter les dérives? Et regardons les cas des Pays-Bas. La porte a été ouverte. Aujourd'hui, la question, c'est quoi? C'est des maladies, c'est des cas qui ne sont pas des cas sociaux, ils sont en train de discuter sur ça, des cas chroniques. Regardons le cas même du Canada, qu'on prend comme exemple. À chaque 2 ans, ils sont en train de réviser la loi pour supprimer les critères qu'ils ont évalués, au fait. C'est ça qui fait peur. Et on n'a pas d'études fiables, des statistiques qui nous montrent que les pays dans lesquels ça a été autorisé, aujourd'hui, ça résout au problème. Moi, je ne pense pas que ça va résoudre au problème ou... Donc, je sais pas. Avec la difficulté de tenir l'encadrement. Je vois que la question de l'encadrement des dérives suscite beaucoup de réactions dans l'hémicycle. Peut-être... Mohamed, groupe de deux. Je voulais faire une distinction dans les termes. On a 3 termes qui apparaissent depuis tout à l'heure. Douleur, souffrance et agonie. C'est 3 termes différents. Et depuis tout à l'heure, on les mélange un peu. L'aide active à mourir, elle va arrêter la douleur par les médicaments. Mais pas la souffrance, parce que la souffrance, elle peut prendre différentes formes. L'euthanasie, elle arrêtera la douleur et la souffrance, ça va s'arrêter, mais dans les 2 cas, l'agonie, elle sera toujours là. Donc juste, c'est une distinction dans les termes qu'ils arrêtent de tout mélanger. Okay. Et que quand quelqu'un parle, la douleur n'est pas la souffrance. Peut être la souffrance, mais la souffrance peut prendre différentes formes. La souffrance est plus large que la douleur en tant que telle. C'est-à-dire, les solutions peuvent être différentes. Merci. Très bien. Alors... Peut-être sur ces notions, j'insiste un peu, mais ce serait dommage de ne pas en parler, de conscience et d'autonomie de décision. Martial, oui. Je pense qu'il faut faire attention à ne pas forcément caricaturer. En effet, qui n'est pas pour l'aide active à vivre ici? Qui n'est pas pour soutenir tous les soins, etc.? Je pense que ne reprenons pas complètement le débat qu'on a eu il y a 2 semaines sur pour ou contre l'aide active à mourir, sur l'encadrement. Allons dans le fond du débat des questions d'encadrement. Sur la question de la conscience et de l'autonomie de décision, mais il me semble qu'on a été plusieurs, en tout cas dans mon groupe, à dire que
presque indépendamment des questions d'état de santé, ce qui importe le plus, c'est en effet la volonté, la question du discernement, et qui, à mon avis, c'est un vrai point de débat sur la question des maladies psychiques qui pourraient altérer cette capacité de discernement, et ça, je suis assez aligné là-dessus. Mais, en tout cas, dans notre groupe, on était quand même vraiment aligné sur cette question de l'autodétermination et de la demande qui peut être réitérée, qui devrait être réitérée. D'ailleurs, c'était un point lié au parcours, que ça doit s'étendre sur le temps. Mais en tout cas, c'est ça ce qui importe le plus. Donc, réitérer la demande pour justement s'assurer qu'elle est bien exprimée et qu'il y ait une conscience dans la décision. Alors, je vois que ça fait réagir Alexandra, oui. Je reprends ce que tu as dit. Excuse-moi, je me rappelle. Agnès, je suis un peu interpellée par ce que tu dis, parce que je pense que déjà, il faut discerner conscience et discernement, et que si on doit accepter la mort de tous les gens qui n'ont plus leur discernement, on va aller sur une pente extrêmement glissante qui, moi, me plaît pas, enfin, ça me fait très, très peur. Ils l'ont demandé dans des directives anticipées ou avec une personne de confiance. On a toujours ce filtre. Oui, mais si, quand ils n'ont plus leur discernement, ils ne veulent plus mourir. Mais tu n'en sais rien. Attendez. Et eux non plus. Comment ça, eux non plus ? Une personne qui a Alzheimer, qui ne reconnaît plus ses enfants, donc qui n'a plus son discernement, elle n'est pas capable de dire si elle veut mourir ou pas ? Alors. Donc c'est bien la question de comment on s'assure, finalement, c'est ça, de l'autonomie de décision de la personne. Alors, il y avait Julien qui attendait depuis un moment. Oui, moi, j'aurais souhaité quand même réagir sur... c'est un sujet important et qui est source d'inquiétude au sein de la Convention pour certains, cette question des dérives possibles. Et je pense qu'il faut aussi faire un retour en arrière dans l'histoire de France. Lorsqu'il a été question d'avancer, de légiférer sur des questions sociétales, il y a toujours cette crainte de la dérive possible, de la ligne rouge. 46, droit de vote aux femmes. Les femmes vont voter comme les curés ou comme leurs conjoints. Pardon. En 1974, il va y avoir des IVG de confort. Est-ce qu'on est face à cette situation aujourd'hui en France? 80, abolition de la peine de mort. Il y aura beaucoup plus de criminalité dans notre pays. Est-ce qu'on rencontre cette situation aujourd'hui dans notre pays? Faisons confiance aussi à notre société pour s'auto-réguler. Je comprends que quand on doit légiférer sur des questions de société, ça bouscule, mais il faut aussi ne pas faire en sorte que ça soit un frein pour évoluer. Voilà. Merci. Bon, on sent que cette question, effectivement, des dérives est un vrai sujet d'inquiétude pour certains et de contre-argumentation pour d'autres. Vous voulez réagir ? Juste pour répondre, juste pour te répondre, je suis bien d'accord, mais on se base sur ce qui se passe à l'étranger, l'autorisation du coup, de l'aide active à mourir et tout ça. Mais on veut absolument masquer du coup, les dérives qui sont aussi dans ces pays étrangers ? Parce qu'à ce moment-là, on prend tout. Et dans ces pays, il y a aussi les dérives. Donc la France doit aussi prendre ça en considération. Alors, peut-être au-dessus. Oui, donc Xavier, j'étais pas dans un groupe de travail, j'étais sur le groupe de travail transverse. Je pense que les dérives, en réalité, elles sont intrinsèques à ce qui fait le socle du raisonnement de la liberté individuelle. C'est-à-dire que vous allez autoriser un certain nombre d'actes de l'euthanasie ou de suicide assisté avec des barrières, et ces barrières, elles vont forcément être mises en cause par la nature même, parce que vous allez discriminer des gens qui sont à la limite et qui vont se dire ben, « moi aussi j'ai le droit de mourir, moi aussi j'ai le droit au suicide assisté ». Et cette pression de la société civile, elle est inéluctable, de par la nature même du raisonnement qui est sous-jacent. On retrouve l'inquiétude de Safier tout sur l'élargissement et la difficulté à tenir l'encadrement. Fatna, je crois que vous vouliez... Juste un mot, Olivier. Au fait, comme il l'a dit, on s'est battu pour qu'on interdise l'abolition à la peine de mort. Aujourd'hui, on se bat pour autoriser l'aide active à mourir. C'est quoi la différence? Bah.
On va pas rentrer sur ce débat et ces comparaisons-là. Là, c'était la remise dans une perspective historique. Je pense qu'on risque de s'égarer sinon. Fatna, vous vouliez intervenir. S'il vous plaît, un peu de calme. Écoutez-vous, s'il vous plaît. Ouais. S'il vous plaît. Fatna. Non, mais je ne vais pas répondre à Safietou. Je comprends son inquiétude, l'ouverture totale, je dirais, à l'aide active à mourir. Ce n'est pas parce qu'on propose ou que cette loi pourrait éventuellement passer que forcément tout le monde y accéderait ou que les gens susceptibles d'accéder à cette aide la prendraient. Et je souhaiterais aussi répondre, alors je n'ai pas retenu le prénom, mais j'entends les dérives à l'étranger. On prend toujours effectivement exemple sur l'étranger. Il y a des choses très bien en France, c'est évident. Ça peut nous aider effectivement, justement, à pallier, enfin je veux dire, l'encadrement qu'on va proposer ou qu'on proposera tout à l'heure, à cadrer quelque chose avec des règles, des conditions pour essayer, en tout cas, au maximum, d'éviter les dérives. Mais les dérives, il y en aura toujours. Il y en a aujourd'hui, elles existent, donc il ne faut pas non plus se voiler la face. Et il faut essayer d'avancer avec ce qu'on a. Et merci à Olivier d'avoir fait un petit parallèle historique, parce qu'il reprend des thèmes hyper importants, des thèmes sociétaux qu'on n'a pas forcément vécu, mais dont on est très content aujourd'hui d'avoir en bénéficier en tout cas. Donc s'inspirer finalement de l'international pour encadrer les dérives. Je vois que ça fait aussi réagir Quentin. Alors j'aimerais ne pas trop m'attarder sur les questions des dérives, parce que je pense qu'une pratique est encadrée, c'est une source infinie de dérives, une pratique n'est pas encadrée, c'est une source infinie de dérives. Se battre pour savoir quelle dérive est plus pertinente qu'une autre, à mon sens, c'est un débat qui est sans fin et qui n'a pas d'intérêt. J'aimerais me concentrer plus sur la question qui nous occupe aujourd'hui, de la question de la conscience et de l'autonomie de décision. Dans le cadre où une personne est consciente et manifeste sa volonté de mourir, je ne vois pas, et dans notre groupe, nous n'avions pas d'opposition nécessaire à ça. Dans le cadre où, par exemple, on parlait tout à l'heure de maladie d'Alzheimer, où l'état de conscience et d'autonomie de décision se dégrade lentement, la rédaction d'une directive anticipée qui précise à partir de quel moment la personne estime que son état n'est plus vivable peut déterminer. Et une proposition, je crois, d'un autre groupe de notre G30 a été de dire si la personne de confiance a été désignée, et c'est encouragé, cette personne de confiance-là peut témoigner de la volonté de la personne au moment de la rédaction de ces directives anticipées, et donc pallier en quelque sorte le problème de l'autonomie de la décision et du discernement de la personne. Ok, c'est très clair. Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui ne sont pas encore exprimées? Peut-être monsieur tout là-haut. Alors c'est Harry, c'est le groupe G6. Alors, en matière de conscience et autonomie de décision, ça me rappelle un petit peu, en ce qui concerne quelqu'un mettrait par exemple, enfin bon, ce sont des suggestions, tout étant jeune, pourrait effectivement dire, bon voilà, si j'arrive à ce stade de la vie où après il faudrait prendre une décision pendant sa jeunesse, si je puis dire ainsi, et après voir où, à quel niveau de sa vie, à quel âge on pourrait parler de conscience et d'autonomie de décision, comme par exemple des gens qui quelqu'un qui a un certain âge ne peut pas prendre une décision de vendre un terrain par exemple, d'accord, parce que la loi a mis des directives pour dire que voilà, passé 80 ans on peut pas décider soi-même de vendre son terrain ou vendre sa maison. Et là, est-ce que ça serait pas de manière justement à mettre des garde-fous, d'accord, comme on parle souvent de dérives, qui puissent rentrer dans ce cadre-là? Merci. Donc la question de l'âge qui va arriver, et après ça rejoignait quand même la question un peu des directives anticipées, de pouvoir donner ces conditions à l'avance. Alors là-dessus, Soline peut-être. Je rebondis toujours sur la question de l'autonomie et de la capacité à prendre des décisions. Donc une personne, je ne vais pas prendre que Alzheimer, qui est atteinte d'une démence, elle a le diagnostic. Elle dit, ok, le jour où je ne reconnais plus mes enfants, je veux être euthanasiée. Très bien. Le jour où sa fille arrive, et elle lui répond « Bonjour madame ». La fille va voir le médecin, et le médecin va voir cette personne en disant « Venez madame, vous allez faire une petite sieste, vous vous allongez sur votre lit, je vous donne cette petite pilule. » Mais non, mais si elle, non mais
S'il vous plaît, sais bien que le médecin ne va pas faire ça, mais concrètement, comment vous imaginez ça si la personne ne veut... Elle est atteinte, elle est démente, elle ne reconnaît plus sa fille, elle ne demande plus à mourir, mais elle l'a écrit dans ses directives anticipées. Concrètement, comment vous, je vous pose vraiment la question, comment ça va se passer si maintenant elle ne demande plus l'aide active à mourir? Pour vous, c'est ça. Pour vous, il faut qu'il y ait une demande au moment. Je ne comprends pas comment ça peut être fait. Aucun médecin fera ça. Je sais bien que ce n'est pas ça que vous demandez, mais je ne vois pas comment ça peut être fait. Ok, merci pour partager cette inquiétude. Alors, on a plusieurs réactions. Il va falloir qu'on passe aussi au dernier débat. Je vais juste donner la parole ici et puis on essaiera ensuite de continuer. Marie, je faisais partie du groupe transverse. C'est pas forcément pour réagir à ce qu'a dit Soline, c'est juste pour dire que je pense qu'il faut un très grand courage pour prendre cette décision de partir et que c'est pas parce qu'on laisse la porte ouverte qu'il va y avoir une ruée vers la mort, forcément, même si les chiffres dans d'autres pays montrent qu'effectivement c'est des chiffres en croissance. C'est peut-être aussi une mise en lumière d'une nécessité, en fait, qu'il y a vraiment des cas où c'est nécessaire. Et voilà, je voulais juste pour dire que c'est, personnellement, je trouve ça très courageux de prendre cette décision et qu'en aucun cas c'est facile. Et donc ça sera forcément éclairé et encadré de par la décision de l'acte qui est grave. Donc voilà. Oui, c'est pas une décision anodine. C'est pas anodin. En soi, c'est un garde-fou. C'est pas une partie de plaisir, quoi. Bien sûr. Alors, peut-être Anton, et puis on pourra peut-être aborder le dernier débat. Merci. Alors Anton, pour répondre un peu à ta question, Soline, et aux autres sur la question de la démence, moi j'ai réfléchi, j'admets j'ai fait ça un peu plus de mon côté, mais l'idée ça serait que quand on a une personne qui a fait des directives anticipées, qui a une personne de confiance, qui a recueilli sa volonté de dire voilà, à tel stade de la maladie, je veux m'en aller, je ne veux pas continuer de vivre, et bien, quand la personne arrive à ce stade, on lui porte à sa connaissance ses décisions antécédentes. On lui dit, voilà, à tel moment, vous avez fait tel choix, telle décision. Est-ce qu'aujourd'hui, vous acceptez, vous continuez, vous faites confiance à ce que vous avez fait? Dans quel cas, on continue? Mais s'il y a un refus qui est exprimé, c'est absolument immoral de continuer. Et là-dessus, je te rejoins parfaitement. On ne pourra jamais imposer à une personne... soit lui imposer, soit lui faire passer pour allez viens, on va juste filer un petit traitement. Pour moi, ça c'est impossible et inacceptable. Merci. Alors, je vous propose qu'on continue à faire circuler la parole. N'oubliez pas le dernier thème qui avait été aussi un thème largement débattu sur la question des mineurs. Il nous reste un quart d'heure d'échange. Alors, vous n'aviez pas encore parlé, allez-y. Michel, j'étais dans le groupe 3-2. Je suis plutôt opposé à tout aide à mourir, mais je reviens sur le cas d'Alzheimer en particulier. Une personne qui a exprimé son désir de quitter la vie en cas de douleur épouvantable, de souffrance épouvantable, qui a une maladie d'Alzheimer et qui en même temps a un myélome qui le fait souffrir terriblement. Le myélome est la cause qui justifie éventuellement une possible euthanasie. Donc pas que la maladie d'Alzheimer, mais voilà. Le fait qu'il y ait une autre maladie liée. C'est pas Alzheimer qui provoque, c'est la maladie intercurrente. Ok, merci pour cet exemple. On continue, n'oubliez pas le dernier débat, alors qui n'a pas encore parlé, madame. Vous avez allez-y. Le dernier débat? Enfin le dernier débat, sur la question des mineurs en tout cas, il était beaucoup discuté, donc... Absolument. Alors, je remercie encore une fois les experts qui sont venus dans notre groupe. Donc, moi, j'étais Noël dans le groupe 3-2. Elle nous a fait part d'un témoignage, enfin, de situations récurrentes d'enfants relativement âgés, donc pas tout à fait 18 ans, mais presque, qui sont dans des souffrances atroces et qui demandent expressément aux équipes médicales ce soulagement. Et en fait, comme ils sont mineurs, c'est les parents qui doivent décider. Et ce qu'on constate, c'est que les parents ne laissent pas partir. Ils s'accrochent. Il y a une espèce de... En fait, tout ce dont on parle tous ensemble, il y a une dichotomie entre ce que ressent le patient et ce que voit
le tiers par rapport à l'élan vital. On a tous un élan vital démesuré, c'est intrinsèque à l'humain, à la vie, on est reptilien. Néanmoins, si vraiment ces patients ont cette supplication contre la torture, là aussi, il faut du courage. Et pour les équipes, essayer de faire entendre aux familles cette notion de courage, c'est très, 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 très difficile. Alors, mais c'est réel. On aborde un sujet qui a été... qui a été difficile, voilà, avec des vrais cas de conscience dans les groupes. Peut-être Marc-Olivier, là-dessus. Alors rapidement, groupe Marc-Olivier S, groupe 2-2, on a pas mal passé de temps sur ce sujet. Au passage, je voudrais dire à ceux qui sont contre l'aide active à mourir qu'il nous ferait gagner du temps si on gardait la question de l'encadrement pour le débat suivant. C'est prévu dans le programme. La question des enfants, elle est bien sûr à la fois juridique et émotionnelle. Dans le groupe, il y a eu unanimité pour dire qu'un mineur émancipé était comme un majeur. Ça a été réglé rapidement. Le principal de la discussion s'est passé pour les mineurs non anticipés et qui néanmoins, selon d'ailleurs un des médecins qu'on a pu consulter et qui était là, peuvent avoir un discernement qui peut être jugé. Et donc la question a été comment encadrer cela. Et comme ça ne sera pas évoqué tout à l'heure, il y a eu l'idée que s'il y avait désaccord avec les parents, il pouvait y avoir recours à un expert, à un juge, etc. Et puis, pour respecter le temps, on a eu minoritairement, mais ça mérite d'être évoqué, le cas des bébés. Les bébés avec des malformations, incurabilité, éventuellement souffrance, et la détresse des parents. Et à ce moment-là, il a été aussi recommandé qu'il puisse y avoir une possibilité d'en discuter. Parce que nous n'oublions pas, et on en reparlera, l'accompagnement, le parcours fait partie aussi des possibilités ouvertes à chacun pour décider oui ou non, y compris les parents dans le cas d'un enfant bébé. Merci. Donc on voit que ça a été des sujets difficiles et sur lesquels il y a eu des difficultés à se positionner complètement. Est-ce que là-dessus, vous y avez travaillé aussi? Je vais essayer de profiter de la minute pour faire un petit mix, puisque pour répondre à Safiye tout à l'heure, il y avait quand même un dernier point qui était intéressant aussi à soulever. On a tout à fait conscience que ça peut être très dangereux. On en a tout à fait conscience, on le sait. Pourquoi ? Parce qu'on est sous contrat social, on est dans un dispositif de loi. Une loi est faite en sachant pertinemment que les choses sont imparfaites. On en a conscience. Ce qui veut dire que peut-être il y aura des révisions, peut-être qu'il y aura des choses à refaire, c'est possible. On en a conscience. Ça amène quand même cette question du contrat social, du fait d'être ensemble, sur la question aussi de la collégialité, dont on n'a pas encore parlé, je trouve. Et pourtant, c'est important de se dire que ce soit dans le cas d'une personne dépendante, troisième question, d'autonomie de conscience, ou quatrième question d'un mineur, comment on intègre les professionnels de santé dans le parcours de choix. Certains nous disent souvent que l'autonomie doit revenir uniquement au patient. Toutefois, est-ce que et comment intégrer les équipes médicales dans ce parcours de soins et dans ce processus de fin de vie? C'est des choses que vous allez tout à fait creuser là dans l'heure qui vient sur les questions de modalité. Alors, je crois qu'il y a Corinne qui lève la main depuis tout à l'heure. Oui. Alors Corinne, groupe 4, donc je vais intervenir à titre individuel parce que je n'étais pas sur le sujet concernant les mineurs. Il ne faut pas oublier qu'un cancer chez un adulte, un cancer pédiatrique, c'est un cancer. Qu'une maladie dégénérescente létale, un adulte, un enfant, c'est une maladie dégénérative létale. Pourquoi on pourrait satisfaire une demande d'un adulte et pas celle d'un enfant, alors que la douleur, le parcours, les soignants, ce sont juste à part le côté pédiatrique en face, les mêmes. Parfois, on a même des difficultés encore plus difficiles auprès d'enfants parce que les molécules ne sont pas adaptées à des enfants, à des mineurs, à de jeunes enfants. Et je pense qu'il ne faut absolument pas mettre de côté une ouverture, certes encadrée, je sais, effectivement, il peut y avoir des dérives. Et je pense qu'on est là et on fait preuve d'une intelligence collective pour effectivement limiter ces dérives. Et si on est là, c'est aussi pour ne pas reproduire ce qu'il y a dans les pays étrangers. Sinon, on ne serait pas là. Je pense qu'on aurait fait un copier-coller de ce qui existe déjà. Mais il faut prendre en considération que ces mineurs, effectivement, ils sont comme vous et nous, même la seule chose qu'ils ont de différence avec nous, c'est leur âge.
Voilà. Merci. Alors. Merci. On a plusieurs interventions qu'on va essayer de retenir. Donc, Isabelle. Merci. Alors, moi, j'étais sur la solution transverse. Moi, je suis, alors que ce soit pour cette question ou la question précédente, il y a un niveau qui n'est jamais abordé et qui me semble très important, c'est le niveau du coût. Un enfant ou une personne qui a un âge inférieur à 50 ans coûte, selon de l'obstination déraisonnable, pour un cancer 40 000 euros par an et 52 000 euros par an pour quelqu'un atteint du VIH. L'État aujourd'hui signale qu'il y a 30 milliards par an pour les personnes âgées qui coûtent dans le cas de maladie. Que c'était, je crois que c'est recensé en 2016 ou en 2008. Et aujourd'hui, on a déjà dépassé les 50 milliards. C'est quand même une info qui doit rentrer en compte dans notre mémoire pour savoir, pour tenir compte des dérives potentielles partout. Voilà, le reste est une autre problématique. Donc des dérives sur le... C'est-à-dire, du coup, j'ai pas compris quelles dérives. Des monétaires, les choix qui pourraient être faits monétairement. D'accord, que ce ne soit pas des choix guidés par ces aspects financiers. Ok. Voilà. D'accord. Merci. Je crois qu'il y avait Martial là-haut. Quentin. Donc Quentin, c'est groupe 6-1. Pour revenir sur la question des mineurs, dans notre groupe, on a eu quand même une large partie d'adhésion à une définition commune qui est qu'un enfant, quel que soit son âge, est une personne. Une personne, à partir du moment où elle est en autonomie de décision, si elle est en autonomie de décision, elle a un choix, c'est une décision. Pourquoi ne pas la respecter ? À partir de quel âge juge-t-on qu'un enfant est en capacité d'avoir la maturité suffisante pour prendre une décision ? Un adolescent de 14 ans, comme il a souvent été évoqué avec une peine de cœur, n'est pas nécessairement en état d'exprimer une décision qui soit fiable ou en tout cas réfléchie. Pourquoi un enfant de 7 ans qui est confronté à des douleurs réfractaires, des maladies, des cancers, serait dans une situation différente ? Je suis en train de me perdre, du coup je vais recommencer à lire la feuille, sur les conditions d'accès. On est parti sur le modèle de la sédation profonde et continue, c'est-à-dire qu'un enfant peut demander le suicide assisté ou l'euthanasie aux conditions suivantes. Être atteint d'une maladie grave et incurable, présentant des souffrances réfractaires. Ou justifier, ou en tout cas expliquer que son état de vie ou les conditions de son existence lui sont intolérables et sont invivables. À ce titre-là, si la demande est faite par l'enfant conscient, la procédure collégiale, pour reprendre l'intérêt d'Alex, est consultative pour nous et non pas décisionnaire. Elle n'est décisionnaire qu'à partir du moment où l'enfant est inconscient. Ok, donc vous appliquez un peu les critères dont on a parlé pour les adultes, finalement, aux enfants, c'est-à-dire l'invivabilité, l'incurabilité. La question du pronostic vital ne fait pas partie de nos options. Hors pronostic vital. Ok, merci. Alors là-dessus, peut-être Laura. Merci. Laura du groupe 2-1. Par rapport justement à la question des mineurs, l'autonomie de décision, etc., nous, dans notre groupe, on a eu une experte qui a pu venir et qui nous a indiqué qu'un mineur, à partir de 7-8 ans, est en mesure de conscientiser la mort et d'aborder la mort de manière beaucoup plus sereine et réfléchie que ses propres parents. Et donc, l'experte était vraiment unanime sur ce point, sur le fait que des enfants qui vivent des situations de maladies particulières et qui expriment des souffrances sont tout à fait en mesure d'exprimer une demande et une volonté surtout, puisque la demande est différente de la volonté, mais vraiment une volonté de mourir. Donc se dire que là, effectivement, l'enfant est capable, au même titre qu'un adulte, d'exprimer une volonté propre. Sur ce sujet. Oui, Safi et tout, tu es exprimée. On va avoir trois prises de parole avant de clore le débat et vous laisser prendre une respiration après, avant d'enchaîner sur la suite. Oui, au fait, je voulais juste remercier Daniel de m'avoir... il s'appelle Daniel, je crois, si je ne me trompe pas. Oui, je voulais... Alexandre, pardon. Je voulais juste le remercier de m'avoir rassurée, mais je n'ai pas douté d'une seule seconde que vous avez conscience. Je sais que c'est une décision très difficile à prendre. Déjà, une personne qui arrive à se mettre en tête une aide active à mourir, c'est que ça ne va pas. Je suis consciente de ça, au fait. Mais justement, je trouve qu'il y a une autre solution, c'est-à-dire les accompagner, les aider, les donner l'espoir qu'on peut vivre ensemble. Cette fraternité qu'on a en France, de mettre ça en place, c'est pas forcément parce qu'une
un pays à accepter ou bien à autoriser l'aide active à mourir qu'on est obligé d'accepter. En fait, je pense que la France est exceptionnelle sur ce point de fraternité, au fait. On est là pour se soutenir, au fait. Je pense que, pour moi, c'est la meilleure solution que de donner la porte qui est une aide active à mourir, qui n'est pas une porte facile. C'est sûr, ce n'est pas une porte facile, mais on peut les soutenir autrement, selon Merci. Moi. Merci. OK, donc on retrouve la question de l'espoir, effectivement, qui était abordée tout à l'heure. Alors, il va falloir qu'on conclue, peut-être, Oscar, on va prendre une personne dans chaque travée. Alors, Oscar D, groupe 2-2. Nous, il y a un cas qui nous a beaucoup divisés, c'est-à-dire que pour la question des mineurs, on peut imaginer par exemple un enfant de 8 ans, comme il a été mentionné, qui est atteint d'un cancer incurable, qui fait une demande éclairée, consciente, répétée d'une aide active à mourir, qu'en parle à son médecin, qui par exemple pourrait respecter toutes les conditions d'accès à l'aide active à mourir, voilà, sur lesquelles on pourrait s'entendre. Et il y a une question, je pense, qui est intéressante de se poser pour la question des mineurs, c'est s'il y a un désaccord avec les parents, en fait, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On ne l'a pas mentionné encore en hémicycle et j'aimerais bien qu'on en discute. C'est-à-dire que s'il y a un désaccord, c'est-à-dire qu'il y a une demande d'aide active à mourir de la part d'un enfant et un désaccord des parents. Oui. Ça a été un peu abordé tout à l'heure avec, je crois, Marc-Olivier qui disait le recours à l'autorité judiciaire et l'idée d'une procédure collégiale, il me semble, qui remontait de ce côté. Pour la dernière prise de parole. En haut, peut-être, on vous a pas entendu. Merci. J'avais juste un point sur les mineurs, parce qu'on a beaucoup évoqué les dérives. Ah, Antoine, merci. On a beaucoup évoqué les dérives. Je pense que les dérives passionnent, et les mineurs aussi, c'est un sujet assez passionnant et qui prend peut-être un peu aux tripes. Et je pense que dans la vision de l'acceptabilité de la loi et de l'évolution qu'il peut y avoir, je ne sais pas s'il ne faut pas prendre un peu de hauteur et distinguer entre mineurs et majeurs pour potentiellement avancer et dépassionner un certain nombre de débats qui seraient sur des sujets un peu, entre guillemets, déraisonnables et qui limitent le nombre de personnes qu'on adresse. C'était juste pour prendre un peu cette hauteur-là et penser à la progressivité potentiellement de la loi et d'avancer step by step. C'était ça l'idée. OK, étape par étape, c'est vrai que c'est un argument qui est sorti dans les groupes, de ne pas aussi de chercher le plus large consensus social et que sur cette question-là, des mineurs ou des enfants, ça pouvait être compliqué. Dernière prise de parole, peut-être. Très bien, on peut faire une dernière prise de parole. En tout cas, je pense que c'est une conclusion qu'on peut garder pour le débat. Alors, sur la dernière travée, Ernest, qui lève encore la main. Ouais, encore, c'est encore que la seconde, c'est la seconde fois. Hein, c'est pas... Bref. Oui, je voulais juste faire parvenir en fait un avis qui était dans le groupe, qui n'était pas forcément le mien, mais je tenais à le partager, c'est qu'en fait, on a parlé beaucoup du oui conditionné, mais il y avait aussi des oui absolus dans l'accès à l'aide active à mourir, et on ne l'a pas du tout évoqué. Et dans le groupe 5.2, du coup, on a eu de la discussion de savoir si un enfant, enfin, on n'a pas voulu mettre de critères d'âge, parce qu'en fait, on s'est dit qu'un enfant pouvait très bien avoir un discernement, enfin, les expériences de vie d'un enfant gravement malade faisaient qu'il atteignait une maturité beaucoup plus tôt qu'un enfant qui avait une vie sans maladie. Donc du coup, la question du discernement et de l'âge à partir de laquelle il faut prendre en compte sa demande, on n'a pas réussi à la trancher. Ok, donc ça rejoint ce que disait Laura, je crois, tout à l'heure sur la capacité de choix des enfants. Et je voulais juste remercier toutes les personnes qui étaient contre l'aide active à mourir d'avoir réussi à phagocyter le débat qu'on n'a pas pu avoir sur ce qu'était la conscience, l'autonomie de décision. Et je trouve ça dommage qu'on ait passé aussi peu de temps sur cette question qui est importante. Enfin voilà, je tenais à le préciser. C'est des sujets qui seront...
Bien. Nous allons entamer la deuxième séquence de cette matinée. Hier après-midi, vous avez tous travaillé sur la mise en œuvre de l'aide active à mourir, aussi bien au titre du suicide assisté que de l'euthanasie. Vous avez spécifié quel devrait être le parcours d'accompagnement du patient, comment la décision devrait être prise et finalement comment l'acte devrait être opéré. L'idée de cette séquence est à la fois que vous soyez en mesure de restituer, de partager vos travaux et vos réflexions, et bien évidemment que nous puissions débattre de certains points. Les modalités à la fois de ces restitutions et de ce débat vont vous être exposées avec clarté, professionnalisme et sérénité par Clémence. Je l'espère. Bon, alors, bonjour à tous. Donc, effectivement, on a une petite heure ensemble. Hier après-midi, vous avez travaillé sur le parcours du patient, la prise de décision et l'acte. On vous propose de passer une vingtaine de minutes sur chacun de ces sujets. Et pour démarrer, de faire un tirage au sort sur le groupe qui va restituer ce qui a fait plutôt consensus au niveau de son groupe, que ce soit sur le suicide assisté ou l'euthanasie. Donc, on va faire un plouf-plouf avec les deux groupes qui vont présenter le parcours du patient avec ce qui fait plutôt consensus sur suicide assisté et euthanasie. Et peut-être deux précisions. Donc vous êtes bien sûr tous les bienvenus pour vous exprimer que vous ayez travaillé sur le thème hier ou non. Suite à la présentation sur ce qui fait plutôt consensus, on vous proposera quelques points de débat qui sont ressortis de vos travaux d'hier pour qu'on puisse vraiment échanger et pousser ce sujet de l'encadrement de ce que serait une éventuelle aide active à mourir. Et dernier point, on va essayer genre, de tenir le temps à peu près. Sur ce, donc un premier plouf-plouf, donc ça va être le groupe qui a présenté ce qui est plutôt consensus sur le parcours du patient suicide assisté. Donc on est sur le groupe numéro 5, et le deuxième, le groupe numéro 3, va présenter ce qui fait plutôt consensus pour le parcours du patient sur l'euthanasie. Eh bien, la parole est à vous. Donc groupe 5. Le groupe 5, ce qui a fait plutôt consensus dans votre groupe sur le parcours du patient et le suicide assisté. Bonjour à toutes et à tous. Christophe, donc pour le groupe 5, ce qui a fait consensus chez nous concernant l'écoute de la demande et l'évaluation du discernement. Par qui doit être faite cette demande? Est-ce que c'est la famille, le médecin, l'entourage, le psy, l'assistante sociale? Est-ce que cette demande doit être faite oralement ou par écrit? Est-ce que cette décision doit être réversible à tout moment? Et c'est le médecin qui initie la procédure suite à la demande du patient, et avec l'obligation d'avoir une trace écrite. Eh bien, merci beaucoup à vous. Qu'est-ce qui a fait consensus pour le groupe 3 sur le parcours du patient euthanasie? Alexandre, ça ne fonctionne pas? On a un souci de micro. Est-ce que c'est possible de se déplacer éventuellement ou de... Il faut mettre les cartes. Vous avez eu les cartes en prévision du vote. Donc maintenant, pardon, c'est la régie qui s'exprime. Maintenant, il faut, pour parler, mettre vos cartes et faire une requête, s'il vous plaît. Vous appuyez sur la prise de parole, mais il faut que vous ayez mis votre carte. Alors, on va vous laisser mettre. Ah, très bien. Merci. Le suspense était insoutenable. Donc, le groupe 3. Peux-tu rappeler ton prénom? Rebonjour à toutes, rebonjour à tous. Alexandre, du groupe 3.2. Donc, sur le parcours du patient, les points clés qui sont apparus sont les suivants. Écoute de la demande et évaluation du discernement. C'est l'étape primordiale. Elle se fait en 4 sous-parties. La première, réunion d'échanges collégiaux avec des personnels soignants, des personnes de confiance et la famille. Un deuxième sous-point, évaluation de la situation après exploration de toutes les solutions médicales et psychologiques. Troisième point, décision collégiale donc, et quatrième point, valoriser
le temps passé, la tarification. Alors, ce point-là, sauf erreur de ma part, était vraiment de comprendre que si nous faisons toutes ces étapes, ça va nécessiter des rendez-vous médicaux qui sont forcément plus longs pour déceler le degré d'envie de vouloir du patient. Et donc forcément, ce n'est pas un rendez-vous médical classique de 20-25 minutes, il faut plus de temps. Et qui dit plus de temps dit forcément peut-être avoir une tarification adaptée. Et c'est tout, puisque sinon c'est les éléments de dissensus. Merci beaucoup. Alors justement, et maintenant on va ouvrir le débat, quand on a repris vos productions avec Clémence, de l'ensemble des groupes, il y a un sujet qui nous a intéressés, c'est une évolution dans le positionnement respectif que vous faisiez entre suicide assisté et euthanasie. Selon ce dont on se rend compte, c'est que dans vos groupes, pour certains, suicide assisté et euthanasie sont un choix offert à la libre appréciation du patient, alors que pour d'autres, ils ont réfléchi plus une articulation précise entre suicide assisté et euthanasie fonction de certaines situations. Est-ce que certains d'entre vous pourraient s'exprimer sur ce sujet ? Suicide assisté, euthanasie, un choix offert aux patients ou plutôt un système qui s'articule selon des situations. Vanessa et ensuite Laura. Donc Vanessa, groupe 6. Moi j'avais plutôt émis l'idée que pour moi l'euthanasie était plus proche de la réelle fin de vie au même stade que la sédation profonde. Donc ce serait plutôt pour moi un choix de dernier parcours entre la sédation profonde qui peut durer quelques jours et l'euthanasie qui fait que en fin de parcours la personne puisse partir plus vite. Ça respecterait plus ou moins ceux qui sont du côté aussi de la religion, qui laissent le corps partir comme il doit partir. Et les personnes qui ne sont pas de ce côté-là et qui ne veulent pas faire souffrir leur famille plus longtemps et qu'eux ne veulent pas non plus souffrir, enfin eux en premier, souffrir plus longtemps, de bénéficier de l'euthanasie à ce moment-là. Merci beaucoup, Vanessa. On avait une intervention de ce côté. Il y a Laura aussi. Vas-y, Laura. Oui, Laura pour le groupe 2. Alors nous, on a effectivement envisagé une sorte de passage éventuel entre le suicide assisté et puis l'euthanasie en envisageant le cas d'une situation, c'est-à-dire que, un peu comme les autres groupes, je pense tous, on a émis la condition selon laquelle il faut que cette volonté soit réitérée, mais on a envisagé la possibilité, le cas où la personne n'est plus en mesure de réexprimer cette volonté. Et dans ce cas-là, dans des conditions particulières, on pourrait dispenser de cette réitération de volonté, avec bien sûr un encadrement strict, et passer cette fois-ci sur de l'euthanasie. Merci Laura. D'autres réactions sur ce sujet ? Peut-être un groupe qui a travaillé sur un choix qui serait ou l'un ou l'autre. Allez-y, vas-y. Oui, Vulfranc. Nous, on était parti aussi du principe qu'un parcours qui avait commencé avec une finalité d'euthanasie devrait pouvoir très simplement partir sur un suicide assisté, que ça soit une formalité facile, justement, pour éviter de devoir tout refaire. Ok, d'autres ? Dominique ? Oui, donc moi, je souhaite offrir la possibilité aux personnes qui sont malades, atteintes d'une maladie incurable, avec un pronostic vital engagé à court ou moyen terme, puissent bénéficier de l'aide active à mourir. Je pense aussi à la société et l'interdit de donner la mort pour la société. Je pense également au milieu médical, aux soignants qui, a priori, pour la plupart, ou en tout cas pour un grand nombre, pourraient ne pas vouloir accompagner le malade dans cette dernière étape. Je crois que
les malades qui sont en situation de pouvoir pratiquer un suicide assisté, et après les modalités, on peut imaginer qu'un simple clignement d'œil peut suffire pour démontrer une volonté persistante jusqu'à l'acte final. Je souhaite d'abord que soit privilégié le suicide assisté avant l'euthanasie. D'accord. D'autres témoignages, remarques, réactions par rapport à ce qu'il vient d'être dit, Christian ? Je reviens sur ce que tu disais, que tu voulais privilégier le suicide assisté. Mais quelqu'un qui fait une demande d'acceptative à mourir n'aura pas forcément la force, et on aura bon dire tout ce qu'il veut, il y a des gens qui n'ont pas cette force de faire cet acte de suicide assisté qui demandent justement l'euthanasie pour arriver à leur fin. On a une intervention ici. C'est quand même un acte très important, très grave, et qu'une personne soit capable de le demander et l'assume jusqu'au bout est quand même nécessaire pour éviter et protéger les personnes qui pourraient être influencées, les personnes fragiles. Donc je pense que c'est très important, très très important que le suicide assisté soit privilégié quand il est demandé. Sonia, pardon. Alors, ah, vas-y, excusez-moi. Certaines travées sont un peu défavorisées. Vas-y. Tout à fait. Bon, Jean, groupe 4. Suicide assisté ou euthanasie, de toute façon, nous, dans ce groupe, je pense ne pas me tromper, on a assimilé les deux. Alors, deux raisons toutes simples. C'est que de toute façon, au bout du compte, le résultat est le même. De toute façon, c'est le décès du patient. Et d'autre part, que c'est le patient qui décide s'il a envie effectivement d'un suicide assisté ou de l'euthanasie. C'est quand même lui qui décide. Et que bah, finalement, le problème, bah, il est plus le problème de la décision du patient et des modalités de l'acte. Voilà ce qu'on a dit. Merci. Alors, il y a Corinne, il y a Marc-Olivier et j'ai là-bas. Est-ce qu'on passe sur la gauche ? On va faire milieu et gauche. On va prendre deux interventions et après on va vous proposer de passer au sujet suivant. Donc peut-être Johnny puis Corinne qui demande depuis longtemps. Voilà, alors Johnny, groupe 5-3. Moi, je voulais juste rappeler, pour que tout le monde l'ait bien en tête, que à travers ce parcours, faire la demande d'une aide active à mourir ne veut pas forcément dire aller jusqu'à cette aide active à mourir, et qu'à tout moment, elle reste réversible, cette demande, et qu'il faut bien le garder en tête à chaque étape de nos débats. Merci. Corinne. Alors, Corinne, groupe 4, je vais enrichir ce que nous a dit Jean tout à l'heure. Nous, dans le groupe, il est ressorti aussi une demande d'information sur la primauté du suicide assisté lorsqu'il est possible. Mais le groupe ne veut pas écarter l'euthanasie afin de couvrir toutes les demandes. Et on a pensé éventuellement, effectivement, aux personnes inconscientes qui auraient une personne de confiance ou des directives anticipées. Et que là, effectivement, l'aide active à mourir puisse être accessible par l'euthanasie. Mais malgré tout, faire, pas une obligation, mais une primauté du suicide assisté, lorsqu'il est possible, bien entendu. Merci, Corinne. On va passer au deuxième point. Alors, évidemment, on pourrait passer encore beaucoup de temps à en parler, mais c'était aussi pour restituer les points qui ont fait dissensus. On a un autre point qui vous a beaucoup occupé dans les dissensus du parcours du patient, c'est la question du discernement et la question de la décision éclairée. Donc, vous avez partagé autour de comment est-ce qu'on s'assure qu'il n'y a pas de pression externe. Comment est-ce qu'on s'assure qu'on a fait un bilan des traitements qui étaient possibles ? Est-ce qu'un psychiatre doit donner un avis sur le discernement ? Est-ce que certains veulent réagir sur ce qui a pu faire dissensus dans vos groupes sur ce sujet-là ? La question du discernement dans l'expression de la volonté. Oui, Laura. Je me lance. Donc Laura, groupe 2. Nous, le point qui a fait le plus dissensus s'agissant du suicide assisté, c'est la question des mineurs non émancipés. Et ce que nous avons proposé,
pour justement résoudre cette question du discernement et puis des éventuels conflits qu'il peut y avoir entre la position du mineur et ses parents, voire entre les parents eux-mêmes sur la question, c'est de pouvoir éventuellement avoir recours à un tiers qui serait éventuellement l'autorité judiciaire. Et on s'est basé pour proposer cela un petit peu sur le modèle autrichien qui a recours à un tiers certifié pour pouvoir gérer ces éventuels conflits. Bon, en l'occurrence, en Autriche, c'est un notaire, mais nous, on n'a pas voulu préciser quel serait ce tiers, mais c'était une solution. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent s'exprimer sur ces notions de parcours et de discernement? Oui, Audrey. Du coup, c'est un peu dans Audrey, pardon. Et c'est un peu dans le même sens que l'autre groupe. Il y a eu un dissensus, surtout au niveau des mineurs, et on a plutôt établi que si une demande existait de la part de l'enfant et qu'elle était, il était dans un cas d'une maladie grave incurable avec des souffrances réfractaires, même critère que la sédation profonde et continue en excluant la question du pronostic vital ou situation de vie ou d'état jugé invivable par la collégiale, qu'il y aurait une collégiale consultative si l'enfant était conscient et s'il le souhaitait, que la collégiale décisionnaire si l'enfant n'était pas conscient, et dans le dernier cas, que c'était le corps médical qui aurait la main sur la décision finale. Merci Audrey. Est-ce qu'il y a peut-être une dernière intervention sur ce point, et après on va passer à la suite. Céline veut... Moi je voulais voir dans le... Dans la décision, il y a eu une étude aux Pays-Bas de 2010 qui a dit que 38% des cas, dans 38% des cas de demande d'aide active à mourir, la souffrance de la famille a été retenue pour une euthanasie. Je voulais savoir ce que vous en pensiez dans les échanges que vous aviez eus. Est-ce que la famille, la souffrance de la famille est un critère à retenir dans la prise de décision? Alors Céline, il se trouve que c'est un point qu'on va aborder juste après. Je m'excuse, Céline, groupe transverse, on fait du mieux qu'on peut, Ernest, pour essayer d'avoir des questions au bon endroit, au bon moment. On n'a pas travaillé dessus toute la journée. On essaye de parler au bon endroit. Céline, ta question est totalement judicieuse. Et comme je dis, ça va être un point de débat sur le positionnement des proches dans la prise de décision. Mais avant cela, et je vais céder la parole à Clémence, nous allons devoir restituer ce qui s'est fait sur la prise de décision. Clémence. Alors, peut-être donc un dernier, puisque là on était déjà sur le sujet. Vas-y. D'après. Peut-être une dernière intervention sur le discernement de ce côté. Quentin, groupe 6. Majoritairement, on était d'accord pour qu'il y ait un suivi, un accompagnement et une validation de la demande de la part d'un psychiatre. Le point de dissensus sur cette question-là est la difficulté de pouvoir trouver le personnel nécessaire à cette validation et cette évaluation-là. Sachant que les propositions n'étaient pas toutes équivalentes, certains proposaient une évaluation et une validation par un psychiatre, d'autres par deux, en complément d'autres professionnels de santé, d'où la difficulté de pouvoir réunir toutes ces personnes-là dans un temps qui soit nécessaire selon des modalités qui sont encore à définir. Merci Quentin. On peut... Une intervention, puis après il va falloir qu'on passe à la restitution sur la décision. Ludivine. Juste une toute petite précision par rapport au parcours de soins. En fait, le parcours de soins pourrait aussi privilégier les personnes qui ont fait bien sûr cette demande d'aide active à mourir, et aussi d'écarter les personnes qui avaient la volonté d'y accéder mais qui ne seraient pas vraiment concernées, et de les rediriger en fait vers des soins adaptés à leur entre guillemets pathologie. Merci Ludivine. Je vous propose qu'on passe au deuxième sujet qui est là. On en est vraiment désolé, on court après le temps et ça serait dommage de ne pas pouvoir couvrir les trois étapes. Ce qu'on vous propose, c'est donc de refaire un tirage au sort sur la prise de décision. Donc avec un premier groupe qui va restituer ce qui a fait plutôt consensus sur la prise de décision suicide assisté, et un deuxième groupe ce qui a fait plutôt consensus sur la prise de décision euthanasie. Donc le groupe 3 sur ce qui fait plutôt consensus suicide assisté, puis... Il a déjà fait le groupe 3. Ah, mais attendez, il faut enlever le groupe 3. Qu'est-ce que... Ah très l'enlever bien. Sur le, dans le plouf-plouf, pas dans la vraie vie. Donc, le groupe 4. Le groupe 4 sur suicide assisté, ce qui a fait plutôt consensus sur la prise de décision, et...
le groupe 2, ce qui a fait plutôt consensus, prise de décision, euthanasie. Et puis après, on aura nos deux derniers groupes qui peuvent se préparer sur l'acte. Alors, qui commence ? Est-ce que le groupe suicide assisté, ce qui a fait plutôt consensus sur la prise de décision, peut commencer ? C'est là-bas. Alors, nous, ce qui est ressorti en consensus, c'était la volonté du patient en priorité, un avis consultatif du corps médical, collégialité, pluridisciplinarité, comme pour la sédation profonde, un écrit, une demande par le patient de manière répétée et éclairée, c'est au patient de signer sa demande de suicide assisté, commission de contrôle, absence d'influence durant le parcours, pas de conflit d'intérêts, toutes les solutions ont été proposées. Merci. Et c'est le groupe. Et donc le groupe, ce qui a fait plutôt consensus, prise de décision, euthanasie, est-ce que vous pouvez vous exprimer ? Où êtes-vous ? Ah, très bien. Alors moi je vais revenir sur les points clés au niveau de la prise de décision du suicide assisté, puisque... Micro, Christian. Du suicide assisté, parce que les mêmes principes sont pour le suicide assisté. Alors la volonté du patient prime, la demande d'être formalisée avec plusieurs médecins, une procédure collégiale et pluridisciplinaire, médicale, psychologue, sociale, paramédicale. Le reste, ça correspondait aussi à l'acte de décision. L'acte de décision en validant la conformité du choix du patient au cadre. Alors, donc, sur les points clés, donc, même principe que le suicide assisté, respect du choix du patient, réitération, sauf si perte de conscience, prise en compte des directives anticipées et de la personne de confiance, pluridisciplinarité et collégialité. Merci Christian. Alors, et là, nous allons tous ensemble répondre à la question de Céline, parce que quand on a vu vos productions, le positionnement des familles et des proches n'est pas du tout le même selon les groupes. La manière de les inclure dans cette prise de décision, voire de les exclure totalement, a été envisagée. Pourriez-vous vous exprimer sur ce sujet ? Et on va prendre des gens nouveaux qui ne se sont pas exprimés. Alors, levez les mains. Ah. Ce ne sont pas vraiment des gens très nouveaux. Peut-être ah, Mathieu. Si, un nouveau. Romain. Dans mon groupe, il a été plutôt question d'exclure les proches et la famille de la décision en dehors de la personne de confiance ou des représentants légaux. Est-ce que tu peux te dire pourquoi ? Notamment pour éviter les problèmes de conflit d'intérêts et de focaliser sur le respect du choix du patient. Et peut-être ici ? Fatna, donc pour le groupe 2, nous, on a émis l'idée, en tout cas, que l'implication de la famille ne serait possible que si le patient en était d'accord, si lui en faisait la demande. Sinon, pas d'implication de la famille. Est-ce qu'il y a eu d'autres avis ? Il y a Corinne. Peut-être de ceux qui n'ont pas encore parlé, et sinon, eh bien Corinne. Eh bien Corinne. Alors, dans le groupe 4, on a même été au-delà de ce que vient de dire Romain. On a même précisé éventuellement un entretien en huis clos avec le corps médical afin effectivement de ne pas le léser. Il y a des choses que le patient pourrait éventuellement dire auprès de sa famille que la famille n'a pas forcément envie d'entendre, qui peut être très difficile. Et aussi le poids d'avoir la famille près de soi et de dire « je n'en peux plus, je veux arrêter » peut être extrêmement dur à entendre par les proches. Donc on a même parlé de huis clos. Merci. Alors, on m'a indiqué d'autres qu'il y avait une demande d'intervention par là, je crois. Oui, très bien, ici. Oui, bonjour. Jean-Claude, groupe 6. Il nous a semblé qu'à la base de tout, il y a les directives anticipées et qu'il serait souhaitable que la Sécurité sociale, à travers les comptes Amélie, dont nous disposons tous, puisse faire une sorte de promotion de ces directives anticipées qui pourraient être inclus dans le dossier médical partagé, le DMP. C'est un point qui nous a semblé relativement important. Les directives anticipées étant bien sûr le point primordial, ce qui prime surtout. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a des groupes qui ont plutôt travaillé autour de l'association de la famille et des proches à la décision qui souhaiteraient s'exprimer ?
Nathalie, groupe 1. Nous, on a aussi parlé de l'entourage du type aide à domicile, côtoyant souvent de façon... Micro, Nathalie. Alors, l'entourage du type aide à domicile, côtoyant souvent de façon proche la personne, doivent pouvoir être entendus dans le dispositif, comme ils côtoient souvent la personne. D'accord. Et aussi, on a parlé, si nécessaire, ça c'était pour l'euthanasie plus particulièrement, la possibilité de faire procéder à une enquête sociale réalisée par une assistante sociale pour la protection du patient en cas d'euthanasie contre des dérives pour des situations financières, tout ça. D'accord. Il y a Johnny, et puis après on va passer à l'autre sujet. Donc Johnny, pour le groupe 5. Nous, dans les consensus sur l'implication de la famille, des proches, des directions anticipées et de la personne de confiance, on a fait relativement consensus parce qu'on s'est demandé, au final, si la personne est inconsciente et qu'elle va sur qu'elle ait fait un choix d'euthanasie, qu'est-ce qu'on écoutait en premier, les directives anticipées ou la personne de confiance, s'il y avait les deux. Et en fait, on en est arrivé à se dire qu'on pouvait donner priorité à la décision la plus récente, parce que c'est celle qui avait eu le choix le plus réfléchi dans la durée et dans le temps. Alors, Antonin, et puis après on va passer là, puis après on va clôturer, on va passer à l'autre débat. Antonin. Alors, Antonin, groupe 6, point 3. Je voulais juste un petit peu revenir sur la prise de décision et la collégialité, tout ce processus dans la demande. Il me semble important de noter que nous souhaiterions, dans le groupe en tout cas, que nous prenions en considération chaque demande afin d'entendre la détresse. Ça permettrait de réorienter le patient et donc on ne discrimine aucune demande. Chaque personne peut venir demander le suicide assisté, parce que c'est sur ce quoi on a travaillé. Et la deuxième chose qu'il est important de noter, c'est la réversibilité du choix à tout moment, la réversibilité absolue, pour que le patient ne se sente pas trop engagé dans le processus et n'ait pas cette pression de se dire « je dois aller jusqu'au bout » et que tout au long de ce processus, on lui dise « vous pouvez revenir en arrière, il n'y a pas de problème avec un changement de décision, changement de choix. » Merci. Donc on a... Vas-y. Et après, il faudra vraiment qu'on clôture. Ce qu'on vous propose pour avancer, c'est une dernière intervention ici, et après, on passe sur la suite. Sur les autres. Donc, Vulfranc, groupe 1, c'est pour répondre à Johnny. Comment détermine-t-on que la décision est la plus récente, surtout quand c'est juste une parole rapportée? Je pense que dans le cadre légal actuellement, il y a déjà les directives anticipées qui sont déjà bien mises en place, la personne de confiance qui est aussi quelque chose de bien mise en place de manière légale. Donc nous, on pensait plutôt conserver cette idée, cette hiérarchie, parce qu'elle fait sens. Et encore une fois, en effet, on peut avoir le témoignage de la famille, mais comment déterminer que c'est la parole la plus récente? Merci. Donc on a une dernière intervention et on passe sur la suite. Moi, c'est plutôt une question. Je voulais demander, est-ce qu'on a le droit, si on est désigné personne de confiance, de refuser. De refuser d'être personne de confiance? Oui. Je ne suis pas expert en personne de confiance, personnellement. Bon, en tout cas, la question est ouverte. Peut-être sur la prise de décision, j'ai un autre point qui a fait dissensus et qui est revenu fréquemment, c'est la question du contrôle. Et sur la question du contrôle, vous avez envisagé différentes options. Vous avez envisagé l'option d'avoir une décision collégiale, mais avec qui? Et ça a pu bouger. Vous avez parfois parlé d'avoir des commissions d'évaluation systématiques, parfois des commissions d'appel exceptionnelles dans des cas où il y avait des conflits. En tout cas, j'ai eu des dissensus, des options explorées. Est-ce que vous voulez vous exprimer dessus? Peut-être ici. Et Martial. Alors, Martial. C'est un point. C'était moi, pardon? Vas-y. Pardon. Donc, Christophe, pour le groupe 5, à nouveau. C'était plutôt un point d'accord qu'on avait dans notre groupe, c'était qu'avant la prise de décision finale, qu'il y ait une analyse et un contrôle du parcours du patient. Tout ce qui a été fait en amont doit être analysé et contrôlé afin d'être sûr de prendre la bonne décision. Merci. D'autres points sur cette notion de contrôle telle que l'a exprimée Clémence? Non. Ah. Il y a des gens qui ne sont pas encore... Vas-y, Nathalie et Anton. Et oui, juste après, ici. Nathalie,
Donc nous, on a, sur cette formulation collective, on a dit, dès lors que les conditions d'accès au suicide assisté, plus particulièrement, sont remplies, la prise de décision revient au patient, une fois tout le parcours fait, hein, bien sûr, et le corps médical se cantonne à la prescription. Merci. Merci. Ici. Donc Fatna, pour le groupe 2, nous, au sein de notre... pour le groupe 2, on va dire, on a eu dissensus sur la prise de décision, donc deux approches différentes. La première, il faudrait une commission indépendante systématique qui apporterait un regard nouveau sur, qui permettrait de statuer en fait sur le cas du patient. Et la seconde serait de se limiter à une décision collégiale en cas de consensus immédiat de la personne, de la demande entre le patient et les médecins. S'il n'y a pas de consensus entre les deux parties, en fait, on ferait appel à une commission, une autre commission, commission d'appel pluridisciplinaire, qui trancherait sur la question en cas de désaccord donc entre les deux. Merci. Anton, tu voulais intervenir ? Indépendante, oui. Bonjour. Anton, groupe 4. C'était pour compléter un peu l'idée de commission. C'était 4-2, si je ne dis pas de bêtises. Et nous, dans notre groupe, on avait réfléchi à une commission qui serait externe au corps médical. Donc, il n'y aurait pas de décision collégiale de la part de médecins ou quoi. La décision propre revient uniquement au patient ou à la personne qui émet la demande. Mais cette commission serait là pour s'assurer tout au long du parcours qu'il n'y a pas d'influence, qu'il n'y a pas de pression faite sur la personne pour rentrer dans ce parcours, et que toutes les solutions ont été proposées, et vraiment s'assurer que l'entièreté du parcours est respectée et qu'il n'y a pas de vice de procédure, pour résumer la chose. Merci Anton. Une dernière intervention, et on va passer sur la suite avec quelqu'un qui ne s'est pas encore exprimé. Bonjour Annie, le Annie P, c'est groupe 3-1. Et donc là, on avait sur le suicide assisté, donc prise de décision dissensus. Un sous-groupe a souhaité mettre en place une prise de décision ensuite sur les conséquences de la décision du patient avec plusieurs axes. Pluridisciplinarité, différentes disciplines, mais aussi interprofessionnelles. Collégialité, médecin référent plus un médecin extérieur, inclure la personne de confiance et toute personne ou association qui serait souhaitée par le patient, la famille uniquement à la demande du patient. Donc quid d'une clause de conscience sur la mise en œuvre de la décision du patient. Ça, c'était donc ce qui avait été émis en dissensus, à discuter. Ensuite, pour l'euthanasie, donc toujours par rapport à la prise de décision, il y avait un point de débat. Que faire pour les personnes qui ne sont pas conscientes et qui n'ont aucun des trois points, c'est-à-dire directive assistée, personne de confiance ou proche. Donc, proposition de créer un collège exceptionnel pour toutes les situations qui ne rentrent pas dans un cadre défini précédemment et identifié. Donc, par exemple, les personnes SDF, les personnes seules, sans famille, etc. Point de débat, faut-il avoir une validation de la décision par un médecin spécialiste de la pathologie avec pour objectif d'avoir un deuxième avis médical? Et un autre point de débat, comment sécuriser juridiquement la décision? D'accord, donc beaucoup d'options explorées. On va passer sur le dernier sujet pour laisser assez de temps pour le vote. Donc on va passer sur l'étape de l'acte. Donc sur l'acte, comme d'habitude, on va refaire un dernier plouf-plouf pour savoir qui démarre sur ce qui a fait consensus sur l'acte pour le suicide assisté. Donc il nous reste deux groupes, si tout va bien. Oui, on pourrait effectivement... Bon. Pour la forme, on va quand même le faire. Donc, on tire au sort entre le groupe 1 et le groupe 6. La tension est à son comble. Le groupe 1 démarre sur ce qui fait consensus sur l'acte suicide assisté, puis le groupe 6 sur ce qui fait consensus pour la partie euthanasie. Et on a une demande d'intervention ici. Oui, Julien, donc pour le groupe 1. Donc, sur l'acte et notamment les lieux où se réalise l'acte. Ce qui faisait plutôt consensus dans le groupe sur les lieux, c'est le fait qu'il faut mettre au cœur plutôt la puissance publique, puisqu'effectivement, il y a un risque aussi sur des lieux qui pourraient être plus privés
d'une relation un peu mercantile, en fait, hein, comme on a pu le percevoir dans le système suisse. Donc, l'importance aussi d'être vigilant sur ce côté mercantile quand on est sur des formes ou des lieux qui font intervenir la puissance privée. Merci. Et donc, le groupe qui a travaillé sur ce qui s'est plutôt consensus pour la partie acte euthanasie, où groupe êtes-vous 6. Le 6. Très bien. Vas-y. Sur la responsabilité de l'acte, on a dit que le personnel médical, du coup, sur l'euthanasie est responsable de l'acte. L'acte est programmé à l'avance en accord avec le patient, dans le respect d'accompagner le patient dans cet acte, potentiellement pour que la famille, les proches puissent être là si le patient le désire. On avait le sujet de la clause de conscience. Elle doit rester complète et à toutes les étapes pour l'ensemble du personnel médical, avec l'obligation malgré tout d'assurer à l'échelle du service, en tout cas du système de santé, de garantir l'accès à ce droit malgré tout, donc potentiellement de rediriger vers d'autres professionnels qui voudraient accompagner. Sur la question du lieu, on veut vraiment favoriser le fait que ça puisse être à domicile si c'est possible, sinon à l'hôpital. Si c'est notamment hors du domicile, que ça puisse être ouvert à la famille et aux proches, et potentiellement favoriser, nous c'est un sujet qu'on a discuté dans le groupe, de favoriser des lieux dédiés, des structures dédiées à la fin de vie, qui vont sur aussi l'ensemble du parcours de soins et pouvant accueillir euthanasie et ou suicide assisté. Et enfin, sur les dispositifs de contrôle, le constat de décès, l'acte de décès, le constat doit se faire de la manière classique. L'acte de décès ne doit pas préciser que la mort a été provoquée par euthanasie. Et pour nous, on avait dit la même chose sur le suicide assisté. Que ça doit être malgré tout, en revanche, le nombre d'actes doit être recensé. Le nombre d'actes et de demandes doivent être recensés pour qu'on sache ce qui est réalisé malgré tout. Et enfin que, notamment sur l'euthanasie, qu'il y ait une commission de contrôle a posteriori pour examiner chaque cas pratiqué et s'assurer du bon déroulement des bonnes pratiques là-dedans. Un point de débat dans nos groupes, ça a été de savoir si on doit avoir une personne de confiance pendant l'acte, donc une tierce personne. Et en fait, si on dit qu'on doit avoir le point de dissensus ou de débat, c'est que si on dit qu'on doit avoir une personne de confiance, ça veut dire qu'on exige que la personne est une personne de, que le patient est une personne de confiance pour avoir recours à l'euthanasie ou au suicide assisté, ce qui posait pas mal de débats. Merci Martial, et ça nous permet de faire la transition justement à ce qui a fait dissensus dans le groupe de Martial a fait aussi dissensus chez vous. Cette notion du qui est très protéiforme dans vos productions, que ce soit d'ailleurs pour le suicide assisté ou pour l'euthanasie. Pour certains, pour le suicide assisté, vous recommandez la présence d'un médecin, d'une personne tierce qui n'est pas un médecin. Pour l'euthanasie, parfois, vous proposez un médecin, deux médecins. Certains sont allés jusqu'à se demander ce que l'acte soit réalisé par la personne de confiance ou un proche. Donc, j'aimerais que vous vous exprimiez sur ce sujet, si vous le voulez bien. On démarre ici. Donc, bonjour, Gilles, groupe 6, à nouveau. Donc, sur les dissensus, nous, le débat était sur quel professionnel de santé. Est-ce que c'était un médecin? Est-ce que c'était un infirmier? Est-ce que ça pouvait être aussi des nouveaux métiers? Et au final, est-ce qu'il ne pouvait pas y avoir une spécificité particulière à acquérir pour le corps médical? Parce que dans tous les cas, on voulait que ça reste dans le corps médical. Pour les deux, pour suicide assisté et euthanasie? Pour les deux, oui. On ne voulait absolument pas qu'un système associatif puisse récupérer ce genre de choses, notamment par rapport à des problématiques mercantiles. Merci. Si vous voulez bien, pour les prochaines interventions, bien à chaque fois donner votre prénom et le nom de votre groupe. Et donc, on avait tout au fond... Oui, alors justement... Ton prénom, sujet, s'il te plaît. Alors moi, c'est Harry, groupe 6. Voilà, alors on a beaucoup justement discuté là-dessus. Ça serait déjà vu que le patient avait fait sa demande. Oh là là, j'ai un trou là. Nous ne pouvons pas hélas t'aider, Harry. Pardon? Tu as un trou?
Oui. La vie, c'est vicissitude. Mais on peut peut-être prendre une deuxième intervention, et puis si elle est, ça revient. C'est la fatigue. Marc-Olivier. Marc-Olivier. Alors moi, je suis référent pour le groupe 2. Tu as demandé les dissensus, suicides assistés. Il y a eu effectivement deux aspects qui montrent le degré de présence du corps médical. Le premier, c'était la crainte de certains qu'avec une ordonnance et un médicament létal, ils puissent circuler. Ce à quoi d'autres ont répondu qu'il fallait démontrer que c'était le cas dans d'autres pays et que de toute façon, sur Internet, on pouvait se procurer des médicaments létals. Plus importante était la question de savoir s'il devait y avoir des médecins au moment du suicide assisté, certains étant en faveur de ça, parce que la prise du médicament peut se passer mal, et pour éviter qu'il y ait des mauvaises interprétations de ce qui s'est passé, avec éventuellement même un juriste ou quelqu'un qui représente le corps judiciaire pour faire un certificat de décès. D'autres, au contraire, je crois majoritaires, ont dit qu'il ne fallait pas surencadrer. Il faut encadrer, mais ne pas surencadrer le processus. Que dans d'autres pays, pour le suicide assisté, il n'y a pas de médecin. Et c'est donc bien ça la différence, au-delà du fait que c'est le médecin qui administre, et qui est importante, bien sûr, qu'il ne faut pas surcharger le corps médical. Mais qu'en revanche, ça pouvait être quelque chose qui était offert à la demande du patient dans le cas d'un suicide assisté. Je voudrais juste en profiter pour dire que cette histoire d'encadrement et surencadrement revient plusieurs fois. Merci. Alors, on va bientôt s'arrêter. Si certains veulent s'exprimer aussi sur les risques, les garde-fous, sur comment est-ce que cet acte pourrait fonctionner. Donc, on avait ici... Vanessa, groupe 6. Alors, c'est pas tout à fait ça, c'est pour parler du dissensus qu'il y a eu sur la question d'exiger que la personne de confiance soit présente. Que le patient fasse le choix de vouloir se faire euthanasier ou d'aller vers l'acte actif à mourir par le suicide, c'est un fait, mais la personne de confiance, elle est là pour pouvoir dire ce que la personne veut, mais pas forcément assister à ce que la personne veut. Donc on était plutôt pas d'accord sur le mot d'exiger, et que ce soit la personne de confiance, ce serait plutôt au choix d'une personne qui voudrait potentiellement assister le décès du patient. Voilà. Très bien. Donc, une dernière intervention de quelqu'un qui ne s'est pas encore exprimé, et on passe sur le dernier sujet, là, au fond. Samy, c'est juste pour revenir tout à l'heure, concernant les personnes inconscientes. J'ai entendu qu'il y avait distinction sur le fait que la personne, si elle n'a jamais demandé ou qu'elle n'a pas laissé de personne de confiance, ou de directive assistée, la question se posait. Enfin, on est plusieurs à penser que la question ne se pose pas. Si la personne n'a pas fait de directive assistée et n'a pas demandé à être euthanasiée, si elle était consciente, je pense qu'il n'y a pas de débat à faire, quoi. Merci à vous. On va passer sur le dernier sujet. C'est vraiment pour qu'on ait le temps pour le vote et vous puissiez finir à l'heure. Ah, donc sur le dernier sujet, j'ai été pris dans notre storytelling. Sur le dernier sujet, on a parlé des personnes impliquées dans l'acte. Il y a eu beaucoup de points de dissensus ou de différence en tout cas sur le lieu où doit s'effectuer cet acte. Alors que certains parlent de domicile, d'autres parlent d'hôpital, notamment pour l'euthanasie, alors qu'un des troisièmes groupes met en avant la mise à disposition de structures dédiées. Est-ce que vous pourriez vous exprimer sur ce sujet avec les arguments qui vont avec ? Oh là. Alors Corinne attendait depuis très longtemps d'intervenir, je crois. Oui, je voudrais intervenir. Groupe 4, je fais partie des rapporteuses du groupe justement concernant l'acte. Je n'ai pas été tirée au sort malheureusement, mais je voudrais quand même vous faire part d'un sujet qui a fait consensus au groupe de 30 que nous étions, aussi bien pour l'euthanasie que pour le suicide assisté. On s'est dit qu'effectivement, on peut avoir des dérives, on peut avoir des choses très, très compliquées. On s'est dit de faire intervenir un garant,
un garant de mise en place avec un référentiel qui s'assure que tout est mis et fait tel que c'est décidé par le référentiel, par le patient, etc., afin de garantir l'acte en soi d'euthanasie ou de suite assistée. Pas une personne qui a suivi tout le parcours, pas une personne qui a été décisionnaire, mais une personne qui serait là pour s'assurer que les choses ont été faites telles qu'elles doivent être. Merci Corinne. Maintenant, on revient sur les lieux et les infrastructures. Alexandre, tu voulais ? Oui, et juste. Oui, Alexandre, donc sur cette question-là, nous, on faisait partie de ces groupes où il y avait dissensus, dans le sens où déjà, il y avait une distinction entre l'euthanasie et le suicide assisté. Dans notre groupe G10, je parle sur le groupe 3-2, non pas sur le groupe 3 total, il y avait cette notion qu'au niveau de l'acte sur une euthanasie, c'était mieux que ce soit fait à l'hôpital ou à domicile, sans forcément produire un lieu. En revanche, pour le suicide assisté, et ça a été entendu dans d'autres groupes également, je pense qu'ils y reviendront, peut-être permettre la création de lieux neutres et agréables pour le patient et ses proches, pour permettre au patient d'avoir le choix du dernier souffle. Alors, il y a quand même dissensus, comme je le disais, dans le sens où, sur cette création d'un lieu, et là je vais parler plus en mon nom propre, ça m'embête un peu d'avoir un lieu spécialisé uniquement pour le fait de mourir. Dans le sens où déjà, pour les professionnels qui vont travailler dans ces lieux-là, ça va être très dur, même s'il y a des métiers qui sont déjà très durs dans ce sens-là. Et vu qu'il me reste 3 secondes, je vais m'arrêter sur la chose suivante. Simplement, il faut aussi qu'on pense aux patients. Le fait de laisser mourir des personnes de notre société seules, c'est peut-être un peu, non pas les abandonner, je suis bien d'accord, il n'y a aucun problème là-dessus, mais c'est peut-être ne plus les intégrer vraiment dans la société. On va prendre 2 dernières interventions. De ce côté, vous vouliez vous exprimer, je crois ? C'était bon, d'accord. Donc on a 2 interventions, peut-être Nathalie puis Ludivine pour conclure. Oui, Nathalie B, groupe 2-3. Sur les lieux, donc nous on avait un dissensus pour l'euthanasie, puisque on spécifiait que pour certains, il fallait vraiment que ce soit dans des structures médicales, parce qu'on voulait exclure les lieux comme le domicile ou d'autres lieux privés. Donc ça, c'était important pour nous, pour des suivis en fait, de qualité, on va dire, de l'acte. Et il y a un truc aussi qu'on n'a pas entendu. Nous, on disait que dans les lieux de vie, évidemment, il y a les établissements de santé, mais on rajoutait aussi les établissements médico-sociaux type EHPAD. Merci, Ludivine. Pour conclure. Oui, moi, c'était juste pour dire quand c'était possible, en fait, de laisser le choix aux patients, tout simplement. D'accord. Bien, ça sera donc le mot de conclusion. Allez. Sur les lieux, parce qu'on a fait Martial partie, et puis au fond. Vas-y, on a fait partie des groupes qui ont proposé la création de structures dédiées, dans l'idée notamment, en fait, pas uniquement sur l'acte, mais sur l'ensemble du parcours, pour que ça puisse être identifié, pour que notamment sur le suicide assisté, ça puisse en partie décharger la responsabilité au corps médical, vu qu'on sait que c'est une des craintes que ça repose sur le corps médical, sur l'hôpital, etc., et que ça puisse être associé avec cette envie qu'il y ait des moyens qui soient donnés à l'encadrement, au suivi, à l'accompagnement, et pas uniquement sur cette idée, sur cette porte ouverte à l'aide active à mourir, mais que ça soit un tout encadré et accompagné. Merci beaucoup. Au fond, vous... Pour conclure. Pour conclure, tu as raison. Bonjour, Volsi DJ. Groupe 5-1. Moi, je voudrais avoir un peu plus de précision sur le suicide assisté, pour savoir comment on va gérer les lieux. Ça se passera où ? Parce que j'ai pu entendre qu'on devrait laisser le choix aux patients. Mais si moi, mourir dans la dignité, c'est de mourir au pied de la tour Eiffel et que je récupère une substance, que je l'avale, et en plus, il risque d'avoir les secours qui vont tenter de me réanimer alors que je souhaite mourir. Comment on va régler, ou est-ce qu'on va trouver des morts dans Paris, comment on gère ce problème ? Je pense que vous ouvrez là la question, donc des lieux, des échanges, peut-être c'est aussi se dire que... Est-ce que tout ça ne devrait pas se passer à l'hôpital, dans un endroit ? Parce que liberté, à un moment donné, il va falloir vivre ensemble et je ne sais pas. Merci. Bien, merci. Nous allons nous... Alors, on a un troisième bis pour une conclusion qui était attendue ici, et on va s'arrêter là pour ne pas prendre trop de retard. Ah, il faut la carte pour que ça marche. Il faut mettre la carte.
Voilà, c'est bon. C'est bon. Moi, je veux répondre Fatima. Je veux répondre le monsieur qui vient de parler. Je suis le groupe 3. Par rapport à cette chance qui sera adaptée à... je réponds le monsieur qui vient de parler. Cette chance sera adaptée à sa demande d'information et à son état psychologique et émotionnel. L'anticipation des situations de fin de vie permet de construire un projet de soins qui est incluant aux soins palliatifs avec un dialogue collégial. Pas à l'extérieur, comme il disait, à la rue ou quoi que ce soit. On est là pour un sujet plus concret. Merci. Un grand merci à vous pour cet échange et ce débat. Merci beaucoup. Et nous allons céder la parole à Claire, qui doit prendre du temps pour nous rejoindre, car elle vient de loin. Vous allez trop vite. Alors, il est venu le moment de voter. Encore. Normalement, voilà. Alors, je voulais juste vous rappeler deux, trois petites choses avant qu'on passe au vote. Donc, vous avez cet arbre, vous savez, l'arbre des nœuds, je ne sais pas comment l'appeler autrement, que j'ai là aussi, qui reprend la question de la Première ministre. Le cadre d'accompagnement de la fin de vie est-il adapté aux différentes situations rencontrées ou d'éventuels changements devraient-ils être introduits? Vous voyez l'arbre, le fameux « quoi qu'il en soit », on l'a travaillé hier. Vous allez continuer à le travailler ensuite, bien sûr. Maintenant, on va surtout parler de ce qui fait controverse, ce qui est l'objet de la controverse. Donc, est-ce que le cadre d'accompagnement répond aux différentes situations rencontrées? C'est d'ailleurs pour ça qu'on va vous faire voter. C'est ce que je vous disais hier ou avant-hier. Vous allez voter en cascade, donc le vote va appeler un vote, etc. etc. Mais Agnès va vous l'expliquer juste après. Donc voilà, donc vous allez voter sur la question du cadre d'accompagnement, puis après sur la question de l'aide active à mourir. Et pour ce qui est de l'aide active à mourir, il y a tout un tas de sous-questions qui se posent, mais Agnès va vous l'expliquer ensuite. Pourquoi je vous dis ça et pourquoi vous votez ce matin? C'est la fin de la phase de délibération. Je conclurai sur la fin de la phase de délibération après, mais fin de la phase de délibération, ça veut dire qu'il faut acter un certain nombre de choses. Le but de ce vote, c'est de rendre explicites les positions de la Convention sur cette partie-là de la question. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des mouvements. Tant que la Convention n'est pas finie, la Convention n'est pas finie. Mais la fin de la phase de délibération, c'est quelque chose d'important, ça marque un tournant. Ce que je veux vous dire, vous redire, vous re-redire, et je le redirai jusqu'à la fin s'il le faut, c'est qu'il n'y a pas d'exclusion. On n'exclut pas, il n'y a pas d'exclusion des positions qui pourraient être plus minoritaires. Ce n'est pas du tout l'enjeu de cette convention. L'enjeu, c'est bien d'éclairer la décision publique sur une question très sensible, qui est celle de l'aide active, enfin celle de la fin de vie, pardon, lapsus, celle de la fin de vie. Et donc, la décision publique, elle, peut être éclairée uniquement si elle a, face à elle, toute la controverse, toute la divergence, toutes les nuances. Et donc, c'est bien ça qu'on pose ensemble, enfin que vous posez d'ailleurs très bien depuis le début de cette convention, et c'est bien ça qu'on veut aussi marquer à travers ce vote. Ce que je voulais aussi vous dire, mais je le redirai aussi en conclusion, c'est que voilà, donc la question de l'aide active à mourir, la question de la fin de vie, c'est une question qui est extrêmement complexe. Et ce n'est pas pour rien qu'on fait une convention citoyenne et qu'on ne répond pas à cette question à travers un sondage. C'est une question qui est complexe, qui nécessite de prendre le temps, qui nécessite de poser les nuances, qui nécessite de poser la complexité, de prendre le temps de ça. Vous venez de faire encore deux débats assez remarquables, je tiens à le dire. Donc ce vote, il permet ça. Ce vote, il va être en cascade, mais Agnès va vous l'expliquer. Ce que je voulais aussi vous dire, c'est que là, vous allez voir, il y aura d'autres votes qui apparaîtront, enfin, que vous ferez ensuite. Tout n'est pas résumé ici. Il y a notamment une question qui est la question de la conscience. Vous avez débattu de la question de la conscience. Il nous semblait, au sein du comité de gouvernance, que la question ne pouvait pas être totalement arrêtée aujourd'hui. Et que du coup, ce serait de nouveaux traités dans le cadre de la session 7 ou 8, a priori, et qu'il y aurait d'autres votes complémentaires qui interviendraient à ce moment-là. Voilà. De toute façon, vous allez encore voter
plusieurs fois, de nombreuses fois. Il y a la question des parcours, la question des modalités aussi qui va être traitée ensuite. Donc, ce n'est pas du tout fini. C'est presque fini, mais ce n'est pas du tout fini. On va se quitter à la fin de la matinée. Vous allez avoir un peu le temps de vous reposer. Mais après, il y a encore du boulot. Voilà, c'était ça que je voulais vous dire. Et il y aura encore du débat. Et dernier point, avant de laisser la parole à Agnésé, on nous a posé hier la question de l'abstention. Qu'est-ce que c'est l'abstention ? Dans le vote que vous allez faire, l'abstention est prise en compte. C'est-à-dire qu'on vote, on tient compte de tous les suffrages exprimés. L'abstention n'est pas dissoute comme ça peut être le cas dans d'autres suffrages. Donc là, l'abstention est totalement prise en compte. Je ne vais pas me lancer dans une définition de l'abstention exhaustive, mais a priori, l'abstention, c'est quand on est indécis, quand on ne se sent pas en capacité de répondre, qu'on n'a pas encore envie de répondre, mais qu'on a quand même envie d'exprimer quelque chose. Donc là, sachez-le, quand vous vous abstenez, c'est comptabilisé. Ça veut dire quelque chose. Voilà. Je vais laisser Agnès vous présenter les modalités de vote et puis on se retrouvera en conclusion. À tout à l'heure. Merci Claire. Bonjour à toutes et à tous. Ok, alors, on va commencer avec ce vote très important. C'est le vote sur les grandes orientations. Claire vous l'a bien expliqué. Nous avons 11 questions. Ce ne sont pas exactement les questions que vous avez dans votre carnet de bord. Dans le carnet de bord, on l'a un petit peu changé parce qu'on l'a changé à la suite des travaux que vous avez faits au cours du week-end. Donc, il y a des différences et il y a 11 questions et non pas 7, comme il me semble, c'est sur votre carnet de bord. Donc, il y a d'abord deux questions plus larges. Ah non, ils l'ont enlevée. Je pensais qu'il y avait encore la graphique. Hein. Voilà, deux questions plus larges. Après, on passe au vote sur le suicide assisté. On aura 4 questions sur le suicide assisté. Donc, on passe à travers les conditions de l'aide active du suicide assisté. Et on arrive après à l'euthanasie. On aura encore 5 questions sur l'euthanasie. Et on va passer à travers les différents thèmes de l'euthanasie que vous avez discuté au cours du week-end. Comme le disait Claire, c'est un vote sur les orientations pour comprendre les positionnements aujourd'hui, à date, mais il n'y a pas de seuil justement pour ça, hein, parce qu'on va garder la complexité de la discussion que vous êtes en train d'avoir et toute la richesse de vos réflexions. Il y a 30 secondes pour voter, comme hier. Les réponses, d'abord, vous avez des réponses qui sont seulement oui, non, donc bouton rouge, bouton vert, oui et non. Après, il y a des questions qui ont des réponses un peu plus structurées, donc on va les lire, on va se prendre le temps d'y réfléchir, donc profitez de ces 30 secondes que vous avez pour voter. Il me semble d'avoir dit tout ce qui est nécessaire. Après chaque question, chaque vote, on va voir les résultats. On aura le numéro de vote et après, à la fin de tous les votes, on va voir le percentage, okay, de chaque votation, de chaque vote. Donc, on va commencer avec la première question. Le cadre d'accompagnement de la fin de vie répond-il aux différentes situations rencontrées ? Le vote est ouvert. Encore 10 secondes. Le vote est clos. OK, 167 non, si je ne me trompe pas. Voilà. Soit 167 personnes qui ont voté, c'est les votants. OK. 140 non. Donc, le cadre d'accompagnement de la fin de vie ne répond pas aux différentes situations concernées. Et 21 oui. On passe à la deuxième question. L'accès à l'aide active à mourir devrait-il être ouvert ? Le vote est ouvert.
encore 5 secondes pour voter. Le vote est clos. OK. Donc 167 votes, 25 oui, 12 non et 10 abstentions. 3 à 2. Pardonnez-moi, je dois me rapprocher. Ça fait 3 à 2 rouge. Non, OK. Voilà, on passe aux questions sur le suicide assisté. La troisième question, l'accès à l'aide active à mourir sous la forme du suicide assisté devrait-il être ouvert? Le vote est ouvert. Encore 10 secondes pour voter. Le vote est clos. Je m'approche. OK. 167 votes, 121 oui, 33 non, 13 abstentions. Question 4. La possibilité d'un accès à l'aide active à mourir sous la forme du suicide assisté devrait-elle être ouverte aux personnes majeures seulement, majeures et mineures? Abstention. Excuse-moi, le vote est ouvert. Est-ce qu'on peut juste repréciser, c'est la possibilité ou la décision? Je suis désolée, mais ça joue quand même beaucoup. Oui. Comment? C'est pas pareil. Est-ce qu'un mineur peut décider ou alors est-ce qu'il peut avoir une assistance au suicide avec l'accord de ses parents? Enfin, okay. C'est quand même pas pareil. Je dirais. C'est bien la possibilité. Et pardon, je profite juste de ça pour préciser que là, vous allez faire une série de votes sur le suicide assisté et après, les mêmes questions vous seront posées sur l'euthanasie et que vous pouvez voter autant de fois que vous le souhaitez. Voilà. C'est la possibilité. C'est avec l'accord des parents pour les mineurs. Enfin, mais ça, on le précisera plus tard. Ou pas, c'est la possibilité. Mais, ça n'est pas précisé, mais c'est... Okay. Ce n'est pas précisé. C'est la possibilité pour les mineurs. Donc, si on comprend bien, le vert, c'est seulement pour les majeurs. Le rouge, c'est majeur et mineur. Et le gris, c'est abstention. Oui, exactement. Il n'y a pas de oui ou de non, là. Exactement, c'est ça. OK. Le vote est ouvert. Ça ne marche pas chez nous. Ben si, c'est automatiquement validé. C'est qui a dit que non marche? Ça n'a pas clignoté, ça m'a mis directement non. Non, parce que moi ça m'a fait la même. Le vote est clos. C'était qui a dit que ça ne marche pas? Moi, ici on est 4 personnes. Il y en a au moins 2 où ça n'a pas marché. C'est pas que ça n'a pas marché, en fait, c'est qu'on n'a pas eu le clignotement, ça a automatiquement validé le choix sans qu'on ait à appuyer sur les boutons. On va le faire. Alors, attendez, on va refaire ce vote. On va refaire ce vote. Vous êtes prêts pour le refaire? Alors, on va refaire le même vote, parce qu'il y a eu des problèmes. Donc, la possibilité d'un accès à l'aide active à mourir sous la forme du suicide assisté
devrait être ouverte aux personnes majeures seulement, majeures et mineures. Abstention. Le vote est ouvert. Dix secondes. Le vote est clos. 164 votes, 37 votes majeurs seulement, 92 majeurs et mineurs, 35 abstentions. Cinquième question, c'est la possibilité d'un accès à l'aide active à mourir sous la forme du suicide assisté devrait être ouverte sans condition, bouton vert, avec condition, bouton rouge, abstention. Le vote est ouvert. Cinq secondes. Le vote est clos. 565 votes. 27 verts, sans condition. 118 avec condition. 20 abstentions. On passe à la dernière question qui concerne le suicide assisté. La possibilité d'un accès à l'aide active à mourir sous la forme du suicide assisté devrait être ouverte aux personnes réunissant les conditions suivantes. Atteinte de maladies incurables provoquant des souffrances ou douleurs réfractaires et dont le pronostic vital est engagé à court terme ou moyen terme. C'est le bouton vert. Atteinte de maladies incurables ou de souffrances ou douleurs réfractaires sans pronostic nécessairement engagé. C'est le bouton vert. Rouge, je vous demande pardon, c'est le rouge. L'abstention, c'est le gris. Il manque une option, là. Enfin, si je suis sur ni l'un ni l'autre, mais ce n'est pas une abstention, ce n'est pas une indécision. Donc, on reste maintenant sur ce vote. Oui, mais moi j'ai d'autres. En fait, c'est parce que la question en effet précédente, le sans condition ou avec condition, forcément, si on veut voter sur les conditions, il va falloir être un petit peu plus exhaustif. Parce que là, moi je veux. Enfin, j'ai voté avec condition, mais pas celle-là. Donc je fais quoi? On va après. Comme on disait, c'est le cadre général des orientations. On va y travailler, on va continuer à y travailler. Donc on n'a pas toutes les questions pour toutes les conditions, ça c'est clair. Donc, on doit rester dans ce vote-là. Et ouais. On y va? Écoute, je ne t'entends pas très bien, effectivement. Ou alors il faudrait un non. Enfin, la possibilité de dire je ne suis pas pour ces options. Enfin, je ne sais pas. Voilà. Non, l'abstention, ce n'est pas un non. Si vous avez voté non, vous devez quand même, si vous le voulez, continuer à voter. Donc, ce n'est pas un choix. Vous pouvez continuer à voter, ça ne force pas. OK. Donc, en fait, je suis désolée, hein, mais c'est quand même un moment important. Enfin, on a les boîtiers, on a les cas, il faut faire ça bien, il y a des garants. Ouais. Donc là, par exemple, atteinte de maladies incurables provoquant des souffrances réfractaires ou douleurs réfractaires et dont le pronostic vital est engagé. Oui. Et là, vous avez mis à court ou moyen terme. Si moi, je ne suis pas d'accord avec le moyen terme,
Je m'abstiens ? Ok, d'accord. C'est le but, en fait, de l'abstention. Ouais. Est-ce qu'il y a des autres questions ? Là, on met tout le reste dans l'abstention, en gros. On met entre guillemets tout le reste dans l'abstention. C'est pas vraiment la même définition que l'abstention de... Pardon, en fait, il va y avoir d'autres questions après. Si vous voulez, c'est un vote en cascade. Ça veut pas dire, si vous êtes pas d'accord, vous abstenez ou vous votez pas. L'enjeu, c'est qu'on puisse quantifier à la fin combien, dans les votants de départ, ont voté pour telle option. Il y a toujours l'option sans condition qui est retenue. Donc, a priori, les sans condition, ils s'y retrouvent pas, là. On est d'accord ? Voilà. Et ben c'est un vote en cascade. Vous allez voir, il y aura d'autres questions. Vous pouvez voter ou ne pas voter. Vous pouvez vous abstenir ou ne pas vous abstenir. Tout ça, en fait, c'est un tout. Et vous aurez le résultat. Après, on verra l'ensemble. Mais ça, c'est un premier point. Et un deuxième point, il y a un niveau de granularité encore plus important dans lequel il va falloir rentrer et dans lequel on rentrera la prochaine fois. Donc, je comprends ce que tu veux dire. Je comprends très bien ce que tu veux dire. Mais ce n'est pas... Ça, c'est ce qu'on a permis de stabiliser à partir de vos travaux jusqu'ici. Et ensuite, il y aura un nouveau travail qui sera fait ensuite. Mais vas-y, allez-y. Simplement, pour celles et ceux qui ne se retrouveraient pas dans la question et les choix proposés, il reste la possibilité de ne pas voter. Exactement. Si on vote rouge ou vert, il faut être d'accord avec chaque mot mis là-dedans. Bah, a priori, après, vous faites comme vous voulez, mais c'est ça qui est sous-entendu. Non, ça marche. Ouais, les deux. Ok, alors, je relis. La sixième question, la possibilité d'un accès à l'aide active à mourir sous la forme du suicide assisté devrait être ouverte aux personnes réunissant les conditions atteinte de maladies incurables provoquant des souffrances ou douleurs réfractaires et dont le pronostic vital est engagé à court terme ou moyen terme. Atteinte de maladies incurables ou de souffrances ou douleurs réfractaires sans pronostic vital nécessairement engagé. Abstention. Le vote est ouvert. Le vote est clos. 151 votes, 30 personnes vert, donc douleurs réfractaires et dont le pronostic vital est engagé à court terme ou moyen terme. 68 votes pour les personnes atteintes de maladies incurables ou de souffrances ou douleurs réfractaires sans pronostic nécessairement engagé. 53 abstentions. 16 n'ont pas voté. Les votes sont 151. On passe aux questions sur l'euthanasie. L'accès à l'aide active à mourir sous la forme de l'euthanasie devrait-il être ouvert ? Le vote est ouvert. Encore 10 secondes. 5. Le vote est clos. Voilà. 166 votes. 109 oui. 50 non. 7 abstentions. On passe à la question 8. La possibilité d'un accès à l'aide active à mourir sous la forme de l'euthanasie
devrait être ouverte aux personnes majeures seulement, majeures et mineures. Abstention. Le vote est ouvert. Dix secondes encore pour voter. Cinq. Le vote est clos. 159 votes. 19 verts, donc majeur seulement. 107 rouges, majeur et mineur. 33 abstentions. Prochaine question. La possibilité d'un accès à l'aide active à mourir sous la forme de l'euthanasie devrait être ouverte sans condition, avec condition, abstention. Le vote est ouvert. Cinq. Le vote est clos. 560 votes. 18 verts, donc sans condition. 120 avec condition, bouton rouge. 22 abstentions. On passe à la question numéro 10, toujours sur l'euthanasie. La possibilité d'un accès à l'aide active à mourir sous la forme de l'euthanasie devrait être ouverte aux personnes réunissant les conditions suivantes. Atteinte de maladies incurables provoquant des souffrances ou douleurs réfractaires et dont le pronostic vital est engagé à court terme ou moyen terme, bouton vert. Atteinte de maladies incurables ou de souffrances ou douleurs réfractaires sans pronostic nécessairement engagé, rouge, abstention, gris. Le vote est ouvert. Encore 5 secondes. Le vote est clos. 155 votes, 40 verts, donc pour les personnes atteintes de maladies incurables et dont le pronostic vital est engagé à court terme. 62 rouges, pour les personnes atteintes de maladies incurables ou de souffrances ou douleurs réfractaires sans pronostic vital nécessairement engagé, 53 abstentions. On passe à la dernière question qui concerne l'euthanasie. La possibilité d'un accès à l'aide active à mourir sous la forme de l'euthanasie devrait être ouverte seulement aux personnes capables d'exprimer une volonté libre et éclairée. Oui, vert, non, rouge, abstention. Le vote est ouvert. Encore 15 secondes, 10, 5 secondes pour voter.
Le vote est clos. On va voir les derniers résultats. 561 votes, 59 verts, donc oui, 57 non, rouge, 45 abstentions. OK. Celle-ci, c'était la dernière question qu'on vous a posée pour le vote d'aujourd'hui. On va voir si on peut avoir le tableau complet des résultats. On attend peut-être quelques minutes. Et c'était des questions qui concernaient tous les travaux, toutes les discussions que vous avez eues au cours de ce week-end. Il y en aura sans doute des autres. Claire vous l'a dit avant. Qui vont toucher des autres conditions, des autres aspects qu'il faut, sur lesquels il faut comprendre le positionnement. On y est presque. Si on peut l'élargir un petit peu pour arriver à lire quelque chose. Voilà. Ouais, c'est difficile d'avoir une idée complète de la situation. On va vous consigner le résultat des votes le plus tôt possible. On ne peut pas l'imprimer tout de suite. On peut voir passer avec les premières questions, après les questions sur l'euthanasie, les questions sur le suicide assisté, de façon d'avoir un sur les différents sujets, une vision. Ouais. Mais ce n'est pas la première. Ah ouais. Alors, pour la première question, le cadre d'accompagnement de la fin de vie répond-il aux différentes situations rencontrées? Oui, 13%. Non, 84%. Abstention, 4%. L'accès à l'aide active à mourir devrait-il être ouvert? Oui, 75%. Non, 19%. Abstention, 6%. Pour ce qui concerne le suicide assisté, alors l'accès actif à mourir sous la forme de suicide assisté devrait-il être ouvert? Oui, 72%. Non, 20%. Abstention, 8%. La possibilité d'un accès à l'aide active à mourir sous la forme du suicide assisté devrait être ouverte aux personnes majeures seulement, 23%, majeures et mineures, 56%, abstention, 21%. La possibilité d'un accès à l'aide active à mourir sous la forme du suicide assisté devrait être ouverte aux sans condition, 16%. Avec condition, 72%, abstention, 12%. La possibilité d'un accès à l'aide active à mourir sous la forme du suicide assisté devrait être ouverte aux personnes réunissant les conditions suivantes. Atteinte de maladies incurables provoquant des souffrances ou douleurs réfractaires et dont le pronostic vital est engagé, à court terme ou moyen terme, 20%. Sans le pronostic vital engagé, 45%, abstention, 35%.
Pour ce qui concerne l'euthanasie, l'accès à l'aide active à mourir sous la forme de l'euthanasie devrait-il être ouvert ? Oui, 66%. Non, 30%. Abstention, 4%. La possibilité d'un accès à l'aide active à mourir sous la forme de l'euthanasie devrait être ouverte aux personnes majeures seulement, 12%. Majeurs et mineurs, 67%. Abstention, 21%. La possibilité d'un accès à l'aide active à mourir sous la forme de l'euthanasie devrait être ouverte sans condition, 11%. Avec condition, 75%. Abstention, 14%. La possibilité d'un accès à l'aide active à mourir sous la forme de l'euthanasie devrait être ouverte aux personnes réunissant les conditions suivantes. Atteinte de maladies incurables provoquant des souffrances ou douleurs réfractaires et dont le pronostic vital engagé à court terme et moyen terme, 26%. Atteinte de maladies incurables de souffrances ou douleurs réfractaires sans pronostic nécessairement engagé, 40%. Abstention, 34%. La possibilité d'un accès à l'aide active à mourir sous la forme de l'euthanasie devrait être ouverte seulement aux personnes capables d'exprimer une volonté libre et éclairée. Oui, 37%. Non, 35%. Abstention, 28%. Et celle-ci était la dernière. C'est dommage que les personnes qui n'ont pas voté n'aient pas été prises en compte. Oui, il aurait été bon de quantifier les personnes qui n'ont pas voté. Non, les pourcentages sont faits pour la question qui a fait débat. Les pourcentages sont faits sur la base de 151 personnes. Donc, en fait, les personnes... Oui, mais donc, donc les pourcentages, si on fait la somme de 20 plus 45 plus 35, ça fait 100. Alors, les suffrages pris en compte, ce sont les suffrages exprimés. En revanche, c'est bien précisé qu'il y a moins de votants. Et après, on peut très bien rajouter une colonne. Mais ce n'est pas les suffrages exprimés, on peut très bien rajouter une colonne en mettant ceux qui n'ont pas voté. Combien n'ont pas voté ? On va l'ajouter, voilà. on va ajouter une colonne avec ceux qui n'ont pas voté. Rapidement pour vous le projeter et on vous le donnera après. Bon, merci beaucoup, merci Agnès de t'être prêtée à ça. Attendez 2 minutes avant de partir, mais je vais conclure du coup. Ah oui, vas-y. Ouais. Alors... Bon, je vous remercie vraiment pour votre patience. Je suis censée conclure tout le week-end et pas juste cette séquence-là. Hein, donc, du coup, 2 minutes, si vous voulez bien. Je vous remercie pour votre patience et je vous remercie vraiment de vous être prêté encore à cet exercice de manière aussi, comment dire ça, extraordinaire. Je pense que c'est un peu ça le bon terme, parce que la méthode citoyenne. Non, mais c'est vrai que je trouve qu'il y a un truc. Alors, c'est pas juste parce que vous êtes citoyen. Hein. Vous êtes des citoyens remarquables, mais vous travaillez dans des conditions aussi qui permettent ça. Mais je trouve que c'est. En fait, c'est un peu ça, quand même, si je devais résumer, parce qu'à chaque fois, on me dit mais comment ça se passe ta convention ? Et il se passe un truc qui est un peu hors du commun. C'est vraiment extraordinaire ce qui se passe. Là, on vient quand même de vivre un débat. Enfin, pardon, Ludivine, je te cite du coup, mais tu as quand même commencé en réagissant, en disant écoute, je ne suis pas d'accord avec toi, en tout cas, de mon point de vue, c'est mon ressenti. Tu vois, tu mets des précautions d'usage. Il y en a un autre qui a dit je ne suis pas d'accord avec toi, mais je respecte totalement ce que tu viens de dire. Enfin, je trouve que ce respect entre vous, c'est vraiment remarquable, c'est hors du commun, ça, c'est un des premiers points. Et surtout, le respect n'entache pas l'exigence. Et ça, je trouve que c'est aussi hyper intéressant. Je parlais avec des personnes qui vous observent depuis quelques temps et qui me disent, mais waouh, en 6 sessions, c'est la trajectoire, le niveau d'expertise, le niveau de connaissance, d'exigence a tellement cru. Enfin, vraiment, on est vraiment dans un autre cap, un autre temps. Donc, il y a de l'exigence, il y a du respect, il y a de la bienveillance et il y a surtout beaucoup, beaucoup, beaucoup d'intelligence. Et je trouve que ça, c'est quelque chose qu'il faut pouvoir dire. Et c'est une intelligence qui est quand même assez différente de celle qu'on a l'habitude d'utiliser parce que vous n'êtes pas à l'école. Hein. C'est une intelligence qui est traversée par votre vécu, par votre expérientiel, par vos émotions. Enfin, moi, je vous le dis à chaque fois, mais ça se confirme, je suis vraiment hyper impressionnée par ce que vous faites, et du coup ça me permet de vous dire une chose, faites-vous confiance, mais vraiment, je parlais avec certains d'entre vous, je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui sont inquiets, est-ce qu'on va assez loin, est-ce qu'on ne devrait pas aller encore plus loin, est-ce qu'on est vraiment au niveau pour pouvoir débattre en étant visionné par des personnes à l'extérieur, observé par des personnes à l'extérieur. Moi je trouve qu'il faut avoir honte de rien, il n'y a vraiment pas de quoi avoir honte, c'est hyper impressionnant ce qui se passe ici.
faites-vous confiance, n'ayez pas peur. Voilà, moi, c'est ça aussi que j'ai envie de vous dire, n'ayez pas peur. Oui, c'est difficile de voter, je sais, franchement, c'est difficile. Voter, poser des choses, acter des choses, c'est difficile. Ça fait partie d'une étape. Je crois que c'était un des facilitateurs graphiques qui le disait. Ce week-end, il y avait un virage à négocier. Un virage difficile à négocier, et ben franchement, il a été hyper bien négocié, et moi, je ne conduis pas, donc je vous dis ça, voilà, ça vaut ce que ça vaut. Mais il y a un virage à négocier qui a été hyper bien négocié, vous avez fait ça, voilà, vous avez fait ça bien, c'était difficile, et encore une fois, ça s'est bien passé. Alors, oui, il y a des marges d'amélioration, de progression, je ne suis pas comme si elles n'existaient pas, je ne suis pas totalement naïve, et je vous écoute hein, très attentivement à chaque fois que vous venez me parler. Mais je trouve que voilà, ce que j'ai envie de retenir de ce week-end, c'est que c'était un week-end difficile, exigeant. Il y a un tournant qui a été pris, indéniablement, ça marque la fin de la phase de délibération. Il y a encore du travail, hein, faut pas non plus faire comme s'il n'y avait pas encore de travail. Il faut encore rentrer dans la granularité, il faut encore affiner les choses. On voit bien qu'il y a des questions qui doivent être reprises, approfondies, etc. Enfin, il y a encore du boulot, j'en ai bien conscience et je sais que vous aussi, mais je crois qu'on peut franchement être collectivement assez fiers de ce qui vient de se passer. Donc bravo à vous tous et merci beaucoup, beaucoup de redonner de l'espoir dans ce contexte démocratique quand même parfois un peu préoccupant et alarmant. Ben moi, plus je passe de temps ici et plus je me dis qu'il y a de l'espoir, donc... Je ne vais peut-être pas passer toute ma vie ici, mais en tout cas, je suis contente de passer encore 3 week-ends avec vous. Bon week-end, à très bientôt.